Oh, ce timing! Ce timing! Salut tout le monde! En forme ou quoi? Bah ouais, j'avais envie de jouer. Bon, je suis désolé, YouTube bloque l'épisode précédent. Il sera à ce moment-là, demain ou après-demain. Ah, écoutez, je dois avoir 8 vidéos en attente de review. C'est pas de ma faute si YouTube chie dans la colle et qu'ils sont pas capables de regarder les vidéos. Voilà, dès que c'est prêt, ça arrive. Bon, j'avais envie de jouer, moi. J'avais envie de jouer, je m'éclate sur Medieval. Pop 38, la raquette de Mirkwood. 16 mois, merci beaucoup, mec. 16 mois, j'ai 2 ans, c'est propre. Merci, mec. Coucou, Pépé. Caris, tiens donc. Et avec son pote A. Quelle délicieuse surprise. La raquette de Mirkwood. Exactement. C'est la bagarre, hein. C'est la bagarre, hein, sur ce run, hein. On est sur le fil du rasoir depuis le début, on a pris quelques branlées parfois, mais dans l'ensemble, je pense que c'est notre meilleur run Mirkwood pour le moment. Voilà, tiens donc, un fil. Bonsoir les ingés. Ah, les ingés, bah yeah, mais les ingénieurs. Bah bien sûr, un fil, merci. Sans tower defense, ouais, c'est beaucoup moins tower defense, même si on a quand même du tower defense, hein. Bon, dans le nord. On va commencer avec la bagarre directe. Hein. Dans le nord, là, j'avais réussi à assembler ma petite armée. On est en train de faire évoluer la ville. On est enfin parvenu ici, enfin, à débloquer les murs. Et là, il y a un coup à jouer. Là, c'est vrai que c'était une bonne armée. Mais je pense qu'elle est largement prenable avec ce que j'ai là. Et je me dis que je pourrais peut-être faire un tout droit. Je vais prendre ça. Comme ça. Je vais laisser le gouverneur. Et là, on va aller faire la bagarre. Voilà. Oh, c'est le champagne! Merci, mec! C'est le champagne qui fait toujours péter ses petits bits en arrivant. Il a besoin d'attention, c'est le champagne. Il fait du bruit pour qu'on le voit. Il tape pas à la porte, il arrive avec le corps là de quai comme dans Kaamelott. C'est littéralement ça. Et comme je suis incapable d'aller changer le son de l'alerte, parce que je suis une feignasse, eh ben tant pis. Voilà. Comme d'habitude, comme d'habitude. Bon! Là, la bagarre, on a quand même une sacrée volée de tireurs. Mama, la quantité de tireurs qu'on a. Il y a de ces renforts qui arriveront après. On va aller prendre la hauteur. Voilà. J'ai pas tant que ça de cac. J'ai quand même... J'ai deux unités. Une seule. J'ai une unité de mur de bouclier. Oh, c'est de la merde. Hein. On est très léger au niveau... Au niveau troupe. Voilà. Bon, par contre, j'ai plein de javeliniers. Ça, c'est superbe. Et j'ai même des javeliniers T2 perce armure. Qui, eux, sont excellents. Et j'ai du T2 perce armure. Bon, ok. Mon armée n'est pas exceptionnelle. Hein. Elle est belle sur le papier. Dans les faits, on est un peu... voilà. C'est le plus compliqué. Tiens, jour. Toujours des bits. Ah ouais, désolé, faisons les Magnifico, mais... Bit a été bloqué par mon automode. Hein. Il a pas compris de quoi tu parlais. Il a cru que tu parlais de Zizi. Alors. Ah merde, il y a l'autre qui arrive là-bas. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher lui? Ou alors lui en premier? Sachant que c'est moi qui les attaque. Hein. Oh, il va peut-être venir directement à la bagarre. Il va venir à la bagarre. Il va venir à la bagarre. On va l'accueillir. Il y a l'autre armée qui arrive là-haut. Là, je vais le... C'est que du T1 qui est en face. Hein. Oh ouais, regardez, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est de la piétaille. On va les ravager. Vous allez voir ce qu'on va lui mettre. Hein. Ah bah oui, ah, l'automode est jaloux de toi, sans aucun doute. Hein. Allez, c'est parti. La sauce. Non, 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 le misplay. C'est pas grave. Voilà. Parfait. Et on va juste les laisser prendre la sauce. C'est quand même 8 unités qu'on va se débarrasser. On se débarrasse de troupes de Gundabad. Sachant que Gundabad est en guerre contre Angmar. Et ouais, ouais, ouais. Alors le problème, c'est que l'armée que je veux attaquer après, il y a 3 généraux. C'était celle qu'on avait déjà croisée. 3 généraux, donc 3 gardes de la montagne plus 2 lourds. De l'ourouk blanc. Une grosse menace quand même. Oula, j'ai peut-être été un petit peu lent.
C'est pas grave. On va les surveiller les autres, hein. Ils sont en train d'arriver quand même. Ils sont loin encore. Ou le Gondor est mort. Alors le Gondor est pas mort, mais le Gondor a perdu Minas Tirith. Mais il a encore quelques beaux stacks pour défendre. Donc c'est pas finito. Allez, les javelots. Oh non, il y a une unité qui bloque, c'est les archers. Allez, découpe-moi tout ça, là. Allez, les javelots, voilà. Allez, on vient flanquer. Allez, va encore à corps, toi. Allez, il y a tout qui dégage déjà, ça fuit, voilà, mais c'est de la racaille. C'est de la racaille de Gundabad. Et on va prendre des archers, on va aller occuper la colline ici. Regardez, son armée est là, on va aller le chercher. C'est parti. Allez, il y a tout qui lâche là. Parce que ouais, les gardes de la... C'est pour ça que j'ai beaucoup d'archers là. Les gardes de la montagne, on les focusera. Et on va sur le pont. Je vais voir parce que je pense pas qu'il va m'attaquer. Je pense pas qu'il va m'attaquer malheureusement parce que j'ai plus de troupes que lui. Et je pense pas que l'IA va être agressive. Donc je vais devoir aller la chercher. Mais ça me dérange pas, j'ai beaucoup d'archers. Et on va essayer de jouer autour des archers. Si je dis que cette grosse armée de Gundabad, ça nous mettrait bien. Allez, là, oh là là, oh oui, il était bugué sur son spawn, c'est ça qu'on veut. Bon, fini la poursuite, on va aller occuper le terrain. Voilà, allez, savate-moi tout ça. Là, au niveau perte, 2%, c'est parfait. On les croque! Magnifique. Ah, les archers elfes. Même les archers T1, moi je les adore, les archers T1 elfes. Hein. Bon, ils coûtent cher. Mais quand on commence à avoir une masse critique comme ça là. J'avance un petit peu parce que là je fais du friendly fire. On va faire ça. Voilà. La paire décide de venir me chercher, moi ça me va. Ok. Bon, il n'y a que de la racaille là-dedans. Comme je dis, c'est que le T1 de Gundabad, en général, ça me fait doucement sourire. Mais le but, c'est de ne pas prendre de pertes pour pouvoir affronter après l'armée principale. Ok, ça arrive. Oh là là, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Allez, c'est du T1. On va pouvoir faire de l'XP. Allez, on va le rentrer dedans. Allez. Ah bah là, les pauvres orques Gundabad, le T1... Le T1, c'est pas dégueu, hein, mais... Un peu quand même, quoi. Allez, hop. Le but, c'est de pas prendre trop de pertes, rester sous les 10%. Archers of Mirkwood, listen well. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Alors, on va faire le maximum de kills. Ça là, ça fuit pas, ça fuit pas. Par contre, ça tombe vite.
Voilà, 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 allez, hop là. Je voudrais rester sous les 10% de perte. Ça serait cool. Ah, ça lâche. Ça lâche. Là aussi. Allez, on va capturer tout ça. Voilà. Voilà. Allez, hop. Parfait. Allez, chopez-moi tout ça. C'est quand même... c'était quand même 8 unités qui disparaissent, ça. Et tout fait pour te faire face à la prochaine armée. T'inquiète, hein. Allez, juste là, pour tenir. Pas pour gagner. C'est les archers qui vont gagner. Bon, allez. Croquez-moi ça, là. Voilà, facile. Facile, on a quand même pris quelques pertes. D'Uruk des montagnes. C'est pas des Uruk des montagnes. C'est des Mountain Guard et il y a une unité d'Uruk blanc. J'ai beaucoup d'anti-armure, figure-toi. J'ai de l'anti-armure. J'ai beaucoup, beaucoup d'archers, dont des bons archers. Je me fais pas de soucis. J'allais dire fais-moi confiance, mais je vais éviter de dire ça. Quand je reviendrai dans une heure après m'être fait casser la gueule. Eh, si vous prenez pas ce genre de risque, vous jouez jamais. Ça se tente. À un moment, faut jouer. Faut jouer, faut prendre des risques. Et c'est parti, regardez. Il y a même de la baliste en face et du warg. Allez, grosse bataille. Allez, importante celle-là. Grosse bataille. C'était le tour de chauffe, ce qu'on vient de faire. En terrain ouvert. Il y a de la baliste, on va respecter. Mon infanterie est en effet dégueulasse. Mais le but c'est de temporiser pour les javelots derrière. Sachant que les javelots, je vais les mettre en cessez-le-feu. Ils auront des cibles bien spécifiques. Surtout mes javelots perse armure. Se débarrasser des Uruk blancs et compagnie. Voilà. Ça, on va les remettre en formation. Dispersés tous. Voilà. Ok. Mon placement est pas top en bas de colline. Mais on va faire avec. Ok, j'ai déjà le tir. Allez, te barre pas, te barre pas, te barre pas. Quoi que s'il se barre... Allez, fais un peu de dégâts. C'est bon, y'a rien. Sur quoi il tire l'autre là? Oh là là, non, non, non. Ok. Mais lui, là, il a rien à foutre là, lui. Oh là là, j'ai fait de la merde dans, dans ma formation de troupes. Oh, mais j'ai pas l'angle de tir, c'est une blague. Oh, les balistes qui sont pas protégées. Alors ça... Allez, hop, on va aller chercher les balistes. On va aller chercher les balistes. S'il me les laisse, c'est cadeau, hein. Ah, j'ai vu, ah, j'ai vu. Voilà, elles sont mal placées. Fantastique. Découplez-moi.
une ou deux salves. On se débarrasse de tous les de toutes les balistes. Après, on repasse en formation serrée. Voilà. Voilà, ça tombe. 7. Allez, une deuxième salve, ils sont plus que 5. Voilà. Allez, 4. Normalement, c'est bon. Hein. Normalement, c'est bon. Attends, je prends la sauce, c'est une blague. Qu'est-ce qui me tire dessus là? Oh, il a la portée, mais ça me fatigue! Les gobelins qui ont tant de portée que les elfes! Quel enfer! Et regardez les dégâts que ça fait! Du T1 dégueulasse! Absurde. Tellement c'est fort. C'est absurde. Eux, ça leur coûte rien, c'est gratuit. Même c'est mes T2! Mes T2 se font casser la gueule! Et mes unités qui obéissent pas à leurs ordres, au secours! Oh là là! Mais... je suis fatigué parfois. Oh là là, oh là là, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Je me suis déjà fait péter la gueule, hein. Regardez ça, les pertes que j'ai pris sur les quelques salves là. J'ai les angles de tir sur les gardes de la montagne. C'est parti. On va commencer à tirer là-dedans. On va se focaliser sur les meilleures unités. C'est bon, ça va le faire bouger. Voilà. Et là-bas, il y a les wargs. Le terrain pour la prise de fight est absolument merdique. Vraiment, c'est une abomination de terrain. Ah, les Europales, ils ont que 10! Oh là là, ça tombe bien. Ça tombe bien. Cette armée, elle était pas si forte que ça, en fait. Allez, c'est parti. On va se débarrasser des wargs. Ah là là, les wargs vont arriver trop rapidement. J'ai pas été assez réactif. Pas assez rapide. Allez. Oh là là, j'avais pas vu là. On est engagé au corps à corps avec les T2. Allez, on va finir les formations dispersées. Hop. Hop, on va basculer sur les flancs. Mon général, au corps à corps, viens aider. Et mes javelots, c'est parti. Mes javelots T2, hop. J'ai pas la portée, tu déconnes! Ok, les wargs, on les a éclatés. On va venir comme ça. Allez, les gardes de la montagne, on les découpe. Oh là là, ici c'est compliqué. Là, mes archers sur le flanc vont faire très mal. Ça y est, là, on va pouvoir. Non, mais le warg unique qui est toujours là, c'est horrible. Allez, là, s'il te plaît. Viens tirer dans le dos, nettoie-moi ça. Là, viens comme ça, viens balancer tes javelots. C'est compliqué là. Par contre, là, on s'est débarrassé, les gardes de la montagne ont pris plutôt cher. Bon, là, on va aller au corps à corps, tant pis. Allez, là, on le découpe. Il y a un beau pa... Allez, un de moins. Il y en a trois. Il y a trois généraux dans cette armée.
Va falloir les tomber. Comme disait A, mon infanterie ne tient pas le feu, mais c'est pas grave. Mon but, c'est de faire du petit dégât. Mon général vient ici. Là, ils sont en train de lâcher. Comme dit, il fallait juste que je le fixe. Oh, ça craque. Ça craque. Mon général vient tirer dans le dos de la garde de la montagne. Ici, pareil. Là, les javelots, garde de la montagne. Là, on va venir attaquer les unités. Et on va se déployer. Allez, hop, let's go. Là, il y a une autre garde de la montagne. Regarde, ah, ça passe facile. Qu'est-ce que tu me disais? Corbeau de mauvaise augure que tu étais. Bon, là, on les découpe ici. Bon, c'est compliqué. On va faire ça et on va aider. Allez, là, ça fuit, la garde de la montagne. Le but, c'est de manger les trois généraux. Je réfute ces accusations infondées. Tout le chat a vu. Tu mens. Tu mens comme tu respires. Allez, ça dégage. T'es qui, toi? Voilà. Allez, ça fuit, ça lâche. Là, on fait des bons tirs dans le dos. On supporte l'unité. Voilà. Parfait. Bon, on va les choper. Hop. Il reste encore des généraux dans le tas, là. J'en ai eu qu'un seul, hein. Où sont les gardes de la montagne? Là. Il reste encore des généraux. Hein. Il y a des... Ah, il y avait des archers Black Shield. Je comprends mieux pourquoi ils me faisaient du tir à longue distance. Ces saloperies avec le bonus de hauteur. C'est très très fort. Il y avait des archers T2. Je comprends mieux. Papa, on continue la bataille. On mange tout. Hein. On laisse rien partir et on va pouvoir attaquer Framsburg. Il y a deux généraux qui ont fui. Je vais essayer peut-être d'en récupérer quelques-uns. J'espère. Allez, un de moins. Ah, ils ont fui lâchement. Hein. Ça m'agace parce que c'est quand même deux gardes de la montagne. Une garde de la montagne. C'est une unité T3 qui survit. Attendez, mais oh, oh, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ouglouk. Ils sont là. On va avoir les trois. Allez, viens, la gamin. Allez, hop. Il a souhaité la mort d'Aragorn hier. Ouais, mais tout le chat souhaitait la mort d'Aragorn. Je n'ai plus rien à attendre de ce chat. T'en auras que deux, regarde. Et de trois, alors. Les trois sont passés à la trappe. Pas mal. Berthe Gransgeg. Merci mec, 13 mois. Eh, bonne win. C'était pas une bataille facile, il y avait de la belle troupe en face. On la prend celle-là. On la prend celle-là. Non, pas moi. Bah qui alors? Bon, les trois généraux sont passés, les Uruk blancs, on va pouvoir aller attaquer Framsburg. Et j'ai quand même un petit peu peur. Oh, Black Island, 3 mois. Merci mec. L'île noire, on va taper l'île noire.
On va franciser ton nom de gré ou de force. Minou de Pépé, tiens donc. Hein. Quelle délicate surprise. Hein. Allez, on exécute. Oh, les deux généraux à rançonner. Les deux généraux prisonniers, les gars. 1000 C'est dommage que Gundabad paye pas les rançons quand même. Hein. J'exécute. Hein. Allez, hop, ça dégage. Ça dégage. Et je vais aller faire le siège de Framsburg. Bah ouais, mais là, voilà, deux généraux, c'est cadeau. C'est cadeau, comment vas-tu? Je pète la forme. Hein. Et une petite poterne. Ça, vous pensez que ça passerait pas? Il a quoi, lui, en troupe de... Oh, il a des Black Shields. Voilà, l'état de mon armée, c'est catastrophique. L'état de mon armée est catastrophique. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Dans le sud. Alors, vous savez que j'ai remarqué un truc quand j'ai regardé la save, là, quand j'ai lancé la save tout à l'heure, juste avant le stream. J'ai tellement pété la gueule des généraux de Dol Guldur que tous ces stacks, il n'y a plus de généraux. Lui, là, regardez, ça doit être un des derniers généraux. Et il n'y a plus de généraux dans les stacks. Pas de général. Là, peut-être. Pas de général. Et là, pas de général. Pas de général. C'est pas mal, hein. Mine de rien, ça bosse, hein. J'aurais accès à de la cavalerie elfe, mais vous savez que je suis pas un grand joueur de cavalerie. Ici, j'ai un peu peur de ce qu'il veut faire. J'espère qu'il va pas venir attaquer. Dans le doute, je vais aller à Karas Galaton. Tant pis pour l'argent, quoi qu'on en fait quand même pas mal d'argent. Et là, j'aimerais bien que Dale... Parce qu'il y a quand même pas mal de... Et là, il y a un stack aussi. Oh là là, mais il n'y a pas de géné... Il y a des généraux nulle part dans ces armées. Mais comment... Vous savez, Dol Guldur, c'est frustrant. Hein. Il y a tellement de stacks partout sur la carte. Dol Guldur, je lui ai quand même pété la gueule. Il arrive encore à faire des quantités de troupes absolument dingues. Le son. J'ai oublié le son. Hop là. Le rond fait le job bleu. Allez, allez, allez! Allez, mon gâté! Il fait rien. Il a rien fait. J'aurais aimé qu'il lui pète la gueule. Mais peut-être que Dol Guldur va devoir réagir. Ouais, le rond défend très très bien. Ça se passe mieux là qu'avec la 4.6, avec le run du Nédain. C'est vrai que dans la 4.6, je me rappelle que systématiquement, l'Isengard cassait la gueule du rond dans 90% des cas. Tu joues en quelle difficulté? Je dois être en difficile. Normalement. Oh, il vient me chercher. Il vient me chercher, le Rohan qui regarde. Bon, j'ai une garnison, j'ai des troupes qui vont sortir, je crois. Oh, ça attaque direct! Oh, il a ramené des renforts. Aïe. Pas de général du T1. Uruk Pal, du Black Shield. Ok, ça se tente. Ça se tente parce qu'il n'y a aucun général. On peut peut-être faire tomber le moral en encerclant. Et on va se débarrasser de tout ça. On va manger tout ça à l'usure. Easy. Je vais devoir faire... Ouais, je vais... Easy, ça rigole pas quand même. Hein. Il y a de la qualité en face. Hein. Et j'ai pris des pertes, mine de rien, à la dernière bataille. Mes armées commencent un petit peu à faire la gueule. Ah ouais, regardez l'état des armées. Hein. Oh, mon perse armure, il est à 1. Aïe, 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 regardez ma ligne d'infanterie. Ma ligne d'infanterie. Coucou. Oh là là, il faut pas que cette bataille dure. Oh là 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 là, là ça va devenir compliqué. Hein. Ça va devenir compliqué de tenir la ligne avec ce qui reste. Hein. J'ai beaucoup d'archers. J'ai beaucoup d'archers, absolument. Mais bon, ma ligne, je l'ai sacrifiée à la précédente bataille. Alors là, il va prendre la sauce. Là, il va prendre la sauce. C'est parfait. Allez. Un peu de son, attendez. Hop, hop. Allez.
Allez, c'est beau une, eh, c'est beau une ligne d'archer elf qui tire quand même. Hein. Allez, ça, ça va, ça. Allez. Ça dégringole. Je vais ordonner à mes unités, lui, de ne pas tirer. Toi, tu te replies. Le général, tu vas aller au corps à corps. Donner l'exemple. Allez. Il n'y a pas de morale là-dedans. Oh là là, mes pauvres. Oh là, ça batte. Il y a la grosse armée qui est là-bas. Bon, allez, on va essayer d'aller chercher ça encore à corps. Je vais économiser mes javelots. C'est lui qui m'attaque. Qui a sa fuite déjà. Allez hop, viens encore à corps. On va prendre la colline. Voilà, allez hop, y'a tout qui dégage, facile. Maintenant on va avoir un problème. Elle se démerde bien liée en bataille. Pas trop quand même. Quoique, elle sait mettre sa cave sur les flancs. C'est plus au niveau économique, elle a tellement de bonus comme tous les Total War. Que. Elle fait mal. Elle spam, elle spam, elle spam. Ok, ça sert à rien de les poursuivre. Bah c'est un vieux Total War quoi, mais quand je vois la gueule des récents, je me dis qu'en fait l'IA a pas beaucoup non plus évolué. Hein. L'IA, bon, pour compenser la bêtise de l'IA sur les champs de bataille, on lui met des bonus énormes économiques, macroéconomiques, et ça compense quoi. En soi, les Total War sur beaucoup d'aspects ont que très peu changé sur ça. Bon, là ça rigole moins, c'est du lourd. Uruk blanc, Uruk pâle, Black Shield. Oh là là, c'est fou. Bon, le but de mes javelots là, je vais les garder en réserve. Eux, ils sont perse armure, ok. C'est de placer des javelots dans le dos des Uruk pâles. Voilà. Oh non, 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 me dis pas que vous êtes mal placé, bande de débiles. Merci. Ouais, l'expertise de JDG, je m'en passerai, hein. Bon, c'est parti. Ça, c'est de la light. Les Black Shield. Allez, voilà, j'ai quelques bonnes sabots. Les Black Shield d'archer, eux, vont être gênants. Eux vont être très gênants. Ok, ça aime pas les flèches, on fait du dégât. Ok, les Uruk pâles sont là. C'est parti.
s'accrocher. Comme ça. Non, non. Pour balle. Voilà, je sais pas si je vais avoir la portée. Ah non. Barre-toi. C'est pas toi que je veux, dans toi que je veux tirer. Oh, barre-toi, bande de... Je vais me faire attraper. Ok, hop. On va les fixer. On va les flanquer. Et forcément, je me fais attraper. Oh là là! Quel enfer! Décroche, Anne Batté! Allez, comme ça. Allez. Tape dans le tas. Les ongles pâles. Mon infanterie va se faire découper. Je sais pas combien de temps elle va tenir. Et maintenant, faut qu'on fasse des pertes. Les ongles pâles sont derrière. Je ramène mes javelots. Il tombe bien. On va même pouvoir focus. Hop. Allez. On les croque. J'ai jamais su si c'était vrai. Potentiellement, je pense que oui. Hein. Quand tu tires dans le dos, ça fait peut-être plus de dégâts. Personnellement, je ne sais pas. Et l'autre qui s'est mis devant les tireurs. Mais au secours! Allez, lance, c'est foutu, javelot! Je vais jamais y arriver. Ok, il veut pas. Comme ça, bout portant, là. Voilà, eux. Je suis en train de craquer, hein, face au... Je... Putain. Je sais pourquoi. Ils avaient des mecs encore engagés au corps à corps. Oh, que je suis fatigué. Je suis en train de me faire découper au corps à corps. Bon, par contre, là... on va pouvoir aller les chercher. On a tout tiré. Allez. Tirez! Je les déteste, hein. Ils ont un mec au corps à corps, ils refusent de tirer. Putain. Voilà, je vais forcer le tir avec le mode garde. Voilà! Tout ça pour ça! Allez. Et là, je me fais attraper. Eh ben, dis donc, quel flop, cette unité. J'aurais jamais réussi à placer un seul tir. Javelot ont toujours été buggés, que dalle. Les javelots marchent très bien, ils sont juste pas faciles à utiliser. Il faut avoir le bon axe de tir, il faut que les unités soient pas engagées au corps à corps. Ou alors t'actives le mode garde. Les javelots fonctionnent très très bien. Tu peux pas jouer sans javelot à un certain niveau. Allez. On va aller... Les ongles pâles, ils sont plus que 50 là-bas. Oh, elle fait mal cette bataille. Hein. 40% de perte. Je sais pas si je vais réussir à les prendre, Franzberg. Hein. Oh là 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 là. Je voudrais bien essayer de les encercler. Quel enfer! Ça fait mal d'affronter du T2, T3 avec mes unités de PU là. Avec la campagne de Mirkout. C'est la troisième fois à Brakmar le Rouge là. La troisième fois. Mais pour le moment, c'est la meilleure. C'est le meilleur run qu'on ait en termes de start. Si dans la vie t'abandonnes systématiquement dès que tu te fais casser la gueule, y'a aucun intérêt. Tout ça pour finir en larmes. Écoute, l'important c'est le voyage, pas la destination.
Allez, pas mal. Pas mal. On mange tout. J'ai pris que 50% de perte. Voilà. J'apprécie la combativité. Alors, qu'est-ce que tu viens chialer dans mon chat? Va voir ailleurs si j'y suis avec ta négativité. Ok. Bon, je vais essayer de tout prendre. Je laisserai partir. Est-ce que je peux aller prendre Framsburg? J'en suis pas sûr, hein. J'ai plus de troupes de cac. J'ai plus de troupes de cac. J'ai plus de lignes pour tenir. Voilà, j'ai plus de lignes. J'ai plus de lignes. L'important, c'est le voyage, pas sûr. Si. C'est... Alors, mec, t'as pas compris, je crois, Tolkien. C'est totalement le voyage qui est important. C'est totalement le voyage. Totalement. Tu as plus d'inf. Tu me donneras ton avis quand je te l'aurai demandé. Allez. Faut pas trop écrire en anglais dans le chat, hein. Tu sais, t'as des analphabètes comme un fille, ils pensent qu'il y a qu'une seule langue sur Terre, hein. Ou Galpin aussi. Allez, un nouveau général. Ouh, ça m'intéresse, hein. Ça, je vais l'apprendre, hein. La guilde des blacksmiths, ça doit... Alors là, regardez un peu ce qui arrive. Un stack, deux stacks. Je voudrais provoquer une gigantesque bataille ici, une bataille clutch, où je pourrais casser les réserves de Dol Guldur. Oh, ici, il me fait peur. Normalement, j'ai des troupes qui vont arriver au tour suivant, plus la garnison. J'espère que ça suffira pour défendre. J'espère, mais je suis pas sûr. Et là-haut, bah moi, vous savez quoi, là-haut Ouais, non. Il est arrivé avec des renforts. On va devoir faire demi-tour, malheureusement. On va devoir faire demi-tour. Pas grave, on va faire du turnover. On va faire du turnover avec les troupes. Toi, je vais essayer de te faire survivre, ça serait bien. Tour suivant, ouais, on va recompléter tout ça. On va pas être trop gourmand. Et voilà, ici pour finir, il m'a pas attaqué. Je vais pouvoir retourner dans le fort, me cacher. Voilà, économiser l'entretien. Et... Ouh, regarde... Attends, mais il me fait le siège, ici. Non, mais il me fait le siège avec ça, l'IA. Au secours. Ouh, Edrechal qui est prêt à évoluer. Alors ça... Ça, c'est intéressant. 6000 habitants. Vous vous rendez compte? Ouais, 6000 habitants. Par contre, je vais mettre une milice, hein. Il serait temps, ici. Et on va investir cet argent. Karas Galaton, je vais aussi mettre une milice. Ouais, je vais mettre des milices, hein. C'est pas possible que Galadriel est sûrement trop occupé avec son esthéticienne. On aurait quand même pu nous mettre des miliciens. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Ouais, là on s'est fait quand même casser la gueule. Mais on lui a fait mal aussi. On lui a fait mal. Eradil, ok. Try Dale qui fait rien là. Regardez ses armées là, Dale, il me... Mais ouais, l'autre il va m'attaquer parce qu'il a l'accès ici, c'est un enfer. Bon, on espère que là on va provoquer une bataille, une grosse bataille bien clutch. À Dol Guldur aussi, qui vienne, je l'attends, avec son armée de Clodo. Et là je me prépare à faire un tout droit. Hein. Je me dis que je pourrais prendre l'armée et peut-être aller attaquer la ville, continuer l'offensive, hein. Le F1, c'est l'après-midi. Je sais pas encore. Je sais pas.
On fait quand même pas mal de H2 en ce moment, donc ouais, deux fois par semaine, c'est un peu trop, je trouve. Et là, il y avait les Worlds cet après-midi, il y avait du League of Legends, donc je suis allé regarder ça, j'avais la flemme de streamer. Bah alors, Megadox, on s'est fait bloquer par mon automate! Tiens donc! Ah, le son! Hop là! Bah ouais, mais là j'ai récupéré la Lothlorienne, c'était quand même un sacré bordel au niveau économique, hein. Il y avait pas les bons bâtiments, il y avait rien de bien, tout était en formation bordel. Alors, oh, libérateur de Amon Lenk, j'apprécie qu'ils aient mis l'ancien nom de Dol Guldur au grand temps d'Orofer. Bon, ah ouais, d'où il sort cette grosse armée là? Bon bah on va lui casser la figure, hein. Alors là qu'ils viennent, hein. On va les éclater, hein. Il y a aucun général. En fait, l'IA pense qu'elle peut gagner parce que les stats lui disent, l'auto-battle lui dit qu'elle peut gagner, alors qu'elle a aucune chance. Mais tant mieux, on va manger des troupes, hein. On va manger des troupes, hein. Et ah ouais, non mais ils ont encore fait le forcing, c'est pas possible. Ils ont encore fait le forcing. Bon, je vais aller faire ma défense habituelle. Hein. Je vais aller faire ma défense habituelle. Voilà. Comme ça. Voilà. Toi, t'es parfait ici. Les petits archers qui sont là depuis le début, les pauvres. Ce qu'ils ont pris. C'est les bornes. Tu vas monter sur le mur, là-haut. Toi, ramène ta fraise ici. Mon champion avec les gars. Eh, vous savez que là, à Dol Guldur, je suis en train de faire le bâtiment T3. Hein. Je vais pouvoir construire des T3 Galadrim et des T3. Et des T3 de Mirkwood, hein, très prochainement. Voilà, la garnison. Mais j'ai envie de prendre des niveaux, donc on va le mettre en première ligne, mon général. Non, on tire pas, s'il vous plaît. Oh, le pathfinding est tellement mal foutu. Ok, ça fera l'affaire. Pas de baliste en face, y'a rien en face. C'est une armée de giga clodo. Je crois même pas qu'il y ait du T2 ou T3. C'est limite la honte qu'on m'envoie un tel gang de singes. Y'a du moleur. Y'a quelques moleurs. Mais c'est pas grave, on se débarrasse de quelques unités de Dol Guldur. C'est bon à prendre. On va pas cracher dans la soupe, hein. Allez hop. Ça va de moi ça. C'est parti. Fonctionne aussi avec la Lorienne. Je pense que oui. Le chat. L'event de fusion. Il fonctionne aussi avec la Lorienne ? Est-ce qu'il y en a qui ont testé ? Ah, c'est même pas une ville, c'est la forteresse de Dol Guldur. L'ancienne capitale des elfes de Mirkwood au deuxième âge. Le père de Tranduil. Le grand-père de Legolas, au refaire. Allez, on va aller les chercher avec mes swordsmen. Alors eux, là, eux, ils ont fait le boulot, hein. C'est mes champions. Hein. Ils sont incroyables. Hein. Je crois pas qu'ils soient perse armure. Non, ils sont pas perse armure, mais le DPS qu'ils envoient, ils sont exceptionnels. Et là, maintenant qu'ils ont de l'XP... Non mais allez pas trop les chercher loin, là, contrôler les passes sanitaires à l'entrée. Voilà. Allez, hop, on va envoyer les garnisons dans le tas. N'a pas voulu d'alliance. Ah là là, ça c'est frustrant, hein. 30 villes qui veut pas d'alliance. Mais bon, après, tour 118, la game, des fois, elle est perdue bien avant, hein. Selon comment ça se passe ailleurs en terre du milieu, t'as pas trop le choix. Si le jeu veut pas, le jeu veut pas. Hein.
Allez, on découpe tout ça. Ça fuit déjà. Ouais, c'est de la merde, hein, je vous avais dit. Hein. Allez, on les laisse approcher. C'est parti. Allez, hop, comme je dis, il n'y a aucun challenge dans cette bataille. Ah, ça serait génial d'avoir un event pour restaurer Amon Lenk. Genre, abattre les murs de Dol Guldur comme au quatrième âge. Et en refaire une ville elfe. Une très belle ville elfe. Elle était totalement perdue, ce qui malheureusement, des fois, c'est le jeu. Hein. Très souvent, les runs sont perdus. Pas par votre faute, en fait. C'est juste que le jeu. Si tout va mal, si la RNG va mal, vous pourrez faire le meilleur des runs. Vous allez quand même perdre parce que, vous n'avez pas le choix. Le jeu vous met devant le fait accompli. Oh non, la fusion, c'est un event pour faire fusionner les deux royaumes des elfes. Ou le royaume, royaume, j'aime pas le terme royaume. Mais pour faire fusionner les elfes de la Lothlorienne avec les elfes de Tranduil. Donc les elfes de Mirkwood et les Galadrim. Et il y a certaines conditions pour avoir ça. Et si t'arrives à la faire, ce que j'ai fait là, j'ai récupéré l'économie de la Lothlorienne, mais elle était inexistante. Et j'ai récupéré leurs généraux. Là, c'est que des généraux, à part l'autre là, c'est que des généraux de la Lothlorienne que j'ai. Qui sont excellents en plus, hein, c'est ça le truc. Hein. Et pourquoi il n'y a pas les OL dans l'Alliance? En soi, les OL sont de l'autre côté des monts brumeux. Donc au niveau, c'est pas leur région en fait, leur sphère d'influence. Il n'y a aucun intérêt pour eux. C'est trop loin. Tu vois. Je vais aller au cac, hein. Il y a quoi là-dedans? Oh, il y a du monde. Oh non, mais c'est que des tireurs. Allez hop, vous savez quoi? J'amène la racaille. J'amène tout le monde. Et on va aller au corps à corps les chercher. La garnison, c'est parti. Let's go. Mon super général elf. Un coup de soin. Ouh, les Uruk Slayer là-bas. Voilà, y a les. C'est les bornes qui arrivent. Un coup de soin. Voilà, allez, on encercle tout ça. Et on va faire le ménage. Ah oui, comparé à ce qu'on a affronté la session dernière à Dol Guldur, là c'est l'IA qui a pris la confiance, mais tant mieux, c'est très très bien qu'elle m'envoie. Oulala, par contre les molleurs là. C'est très bien qu'elle m'envoie ça. Ah, ça fuit déjà. Voilà. Allez, le capitaine en moins qui s'est fait découper. Voilà. Allez, ça dégage. Voilà. Ça dégage. Attendez, il reste des unités qui ne sont pas... Ah, regardez lui là-bas. Cessez le feu, vous. Vous allez faire du friendly fire. Voilà. Parfait. Toi, poursuis pas. J'ai pas envie que tu prennes un carreau d'arbalète dans les fesses. Parfait. Mine de rien, c'est un petit stack de Dol Guldur en moins. Tout ce que je peux prendre, il l'enverra pas sur Dale. Vous savez qu'il attaque même Dorvignon, hein, en même temps. Hein. L'IA de Dol Guldur est une des plus cancérigènes du jeu, je pense. Avec Angmar, Dol Guldur, je pense que c'est les deux IA, je pense peut-être que je déteste le plus. Tellement elles spam en boucle.
écoutez, on a... c'est bon, on va pas tout poursuivre. On a perdu 32 gars. Tranquille. Gundabad aussi, ouais. Même le Mordor m'insupporte moins. Parce que t'as des bonnes bases défensives contre le Mordor. Quand t'es le Gondor. Mais Dol Guldur. Prendre Dol Guldur ne change absolument rien à ton problème, quoi. Ah oui, le rune après le tour 50. Absolument. Il est comment le roster d'Angmar? Pas dégueulasse du tout, le roster d'Angmar. Ouais, mais le gobo, ses unités sont merdiques. Le gobo, ses unités, son moral sont merdiques. Donc ça compense. Le problème de... Alors que Dol Guldur, tu tombes sur le roi sorcier d'Angmar, tu tombes sur des Nazgûl. Au secours. Allez hop, dégage. Oh, il me renvoie des stacks. Bon bah écoutez, là c'est le spam à Dol Guldur parce qu'il pense qu'il peut gagner, donc on va manger ses troupes au fur et à mesure. Ouais, le Angmar a un bon roster. Angmar Gundabad, c'est solide. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va m'attaquer à un moment? Oh, vous savez pourquoi il va pas m'attaquer? Parce qu'il a pas de généraux et que j'ai 30 huiles. Et 30 huiles est full étoile. Et l'IA, avec l'automode, va refuser d'attaquer un général full étoile sans général. T'as déjà fait une run Angmarine? Jamais en live. Jamais. J'ai pas trop hâte de me faire... Oh là là, Dorvignon, la capitale de Dorvignon qui est assiégée. Asflucht assiégé. Y'a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Y'a pas que des bonnes nouvelles. Ici. Ici, je vais commencer à faire le turnover. Je vais prendre certaines unités d'archers. Je vais faire ça. On va aller là-haut. Et là, je vais amener des unités fraîches. Hop. Voilà. Et ça, pareil, ça va partir là-haut. Et on va faire tourner les effectifs. Faire tourner les effectifs. Et vous deux, vous allez retourner. Hop. Voilà, pour aller recompléter. Parfait. Ok, faut pas qu'il attaque maintenant. Dans un tour, ça finit. J'ai les renforts qui arrivent. Faudrait pas qu'il m'attaque maintenant. Sinon, je vais faire un colossal prout. Mon timing est particulièrement merdique. Bon, là, dans un tour, ça tombe, hein. Mais attendez, dans un tour, il aurait dû attaquer maintenant. Le chat! S'il m'a pas attaqué maintenant, je prends la ville, là. Ou il va faire une sortie. Ah, il a eu peur à ce point-là. Ok. Bon, là, je suis de nouveau assiégé. On va continuer. Bah, là, j'ai déjà tous les bâtiments de fée. Aïe, 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 ici. Malheureusement, j'ai pas d'unité dispo. Je vais amener mes 4 unités de renfort, mes 3 unités de renfort. Et ouais, le problème c'est que j'essaie de faire de l'économie en urgence. J'essaie de développer de l'écho, un peu en panique. Oh, j'ai pas eu le temps de faire ma garnison. Bon, il m'a pas attaqué. Là, je peux pas me permettre de lancer une attaque pour aller prendre la ville là. Bon bah, Dol Guldur, il faut que ça tienne. Hein. Dol Guldur, il faut que ça tienne. Oh, et l'XP que je fais à Dol Guldur, c'est du régal. Hein. Alors, il m'attaque avec une armée dans un état absolument lamentable. Il y a même des balistes. Il y a quand même des Camules Shadow Guard. C'est une belle armée, hein. Une armée dans un état lamentable. Mais une armée pas dégueulasse. Ça manque de T2, quand même. Et là, bah, s'il veut... Bah, écoute, il me laisse la ville, hein. Il me laisse la ville, c'est génial, hein. Et là, il y a quoi, là-dedans? Mais vous savez qu'il a... Il a pas... Il a pas... Il a pas de... Il a du T2 de temps en temps, mais on lui a tellement pété la gueule... Qu'il a plus de généraux, plus de T2. On n'est pas si mal que ça. Ok, ici, il m'attaque pas, mais j'ai des quelques renforts qui sont arrivés. Dans le doute, je vais en envoyer... Là, j'espère que Dale va venir aider. Bon, il n'y a aucun général. Heureusement qu'on a bien tapé sur Dol Guldur. Hein. Allez, tour suivant. Hop, let's go. Mais ouais, mais en fait, j'espérais qu'il attaque Legolas et Tranduil dans une bataille majeure où j'aurais pu faire beaucoup de pertes avec Legolas. Malheureusement, l'IA m'a pas attaqué. Et d'habitude, l'IA est enclin à quand même défendre ses villes de façon agressive. Et là, bah, il est pas tombé dans mon piège et il m'a pas attaqué alors qu'il avait deux beaux stacks. Bah, c'est pas grave, hein, on va prendre la ville, hein, ça me va. Hein. En soi, mon armée est intacte, je vais prendre la ville et je vais repasser à l'attaque. Hein.
Il attaque! Bah voilà, écoutez, j'ai ma bataille. J'ai ma bataille majeure qui va arriver. Y a aucun général, il y a quand même des balistes. Oh non, non. Pas de drame avec les balistes. Hein. Pas de drame avec la baliste. C'est lui qui attaque. Ok, ok, bah écoutez, grosse bataille. Hein. Grosse bataille! J'ai pas de cavalerie pour aller chercher la baliste, malheureusement. Va falloir... éviter... Va falloir éviter le drame, hein. Va falloir éviter le drame. Il y a une belle colline, ici. La colline est parfaite. J'ai beaucoup d'archers. J'ai une très belle armée. J'ai une très belle armée. Deux murs de boucliers. Bon, j'ai malheureusement ces affreux Woodland Warriors que je n'aime pas. Mais j'avais tellement besoin de troupes que j'en ai fait quand même. Vaut mieux avoir une troupe que vous n'aimez pas que rien du tout. Et j'aurai quelques Woodland Warriors derrière en deuxième ligne. Voilà mon armée. Simple et efficace. Tranduil, il fait tout. C'est ce que j'aime avec les T3 elfes. Généralement, les T3 elfes... Ok, il va arriver par là-bas. J'espère avoir le temps peut-être de me débarrasser de cette armée. Aïe, 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 les balistes. Les balistes vont être gênantes. Hein. Les balistes vont être très, très gênantes. Il n'y a que de l'archer là-dedans. On va tirer dans les molleurs. Mirkudurruk. Legolas tire dans les Mirkudurruk. Tranduil, les Slayers. Voilà, c'est parti. Il y a l'autre armée qui arrive là-bas, mais ça c'est la garnison. Je m'en fous un peu, allez. Oh là 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 là. Ok, il tire sur les T2. J'ai bien fait de mettre la formation dispersée. Allez, les molleurs, on va leur mettre un double jet de javelot dans la trogne. Là, ils ont fondu. Quelle affreuse bataille, on voit rien à ce qui se passe, j'aime pas ça. Ils sont nombreux, hein. Il y a du monde, hein. Oh, les balistes. Ok, je vais envoyer des renforts sur le flanc. Il est en train de d'être gênant avec mon T2 là. Par toi. Faut que je fasse attention au flanc là-bas. Ça arrive vite. Je suis pas en place. Là, on va venir flanquer. Legolas dans les molleurs. C'est parti. Allez, ça fuit déjà. Ça fuit déjà, les Orc Fighters. On va amener le T2 sur la colline pour faire face à l'autre armée qui arrive. Ils arrivent très très vite. Oh là là, ça tire sur Tranduil avec la baliste. Laisse Tranduil tranquille. Ça fuit, hein. Ça commence à fuir. Rappelez-vous qu'ils ont pas de généraux. Il n'y a pas de Nazgûl là-dedans. Ça va tomber très très vite. Voilà, ça commence à lâcher. Allez, on pousse. On va essayer de faire un gros effet domino. On va aller choper tous les tireurs. Le général a lâché. On va prendre une unité de tir. On va aller... Oh là 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 là. Il y a tout ça là-bas. Je pense pas qu'il y avait autant.
Bien flanqué, vite. Là 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 là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Oh, il y a des gobelins Headhunter, je les déteste. D'où ils sortent, eux? Ils se sont reformés. Quelle mauvaise blague. Ok, hop. Ok, c'est que du T1. Oh non, pas dans les golas. Pas dans les golas. Ok. Oh là 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 là. Ça va faire mal la charge de Warg. Oh la balise qu'elle vient de me mettre! Non mais la balise qui tire de là-bas, c'est une blague! J'ai peur. Il faut que j'aille choper les balistes. Voilà. Allez, si ça tient. Mais c'est dans le rouge. Allez. Là, on fait le DPS. Allez. Ici, tu viens aider, tu viens encercler. Ça lâche, ça lâche, ça lâche. On est en train de la gagner cette bataille. C'est un peu le bordel. Mais tout est en train de craquer. On va pouvoir basculer des troupes de l'autre côté. Elle était compliquée cette bataille au double front. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. J'ai été, comme d'habitude, beaucoup trop confiant. Allez, les Golas au cac, c'est parti. Là, les balises, elles peuvent plus tirer. Là, on est en train de tout manger. C'est important, ça. C'est encore une... Allez, un de moi. Tous les capitaines, là, on les dégage. On va capturer une ville, et une ville très importante, puisque je fais la jonction. Avant, j'avais pas fait la jonction entre les... les deux royaumes, hein. J'avais pas fait la jonction. Là, c'est cool, on va faire la jonction. Allez, là, on envoie la sauce. Legolas, viens faire du tir. Là, viens au cac les chercher. Parfait. 26% de perte pour une ville et deux belles petites armées. C'est extrêmement rentable. Ah ouais, mais ce genre de bataille, vous avez pas le droit de les perdre. Oula, attendez, pourquoi je prends autant de pertes, là? Ok. Voilà, ça de toute façon c'est la garnison. Elle va y passer. Allez. Voilà, allez, on nettoie tout ça. Allez, voilà, on fait du prisonnier. Ça va pas aussi exiler les armées de Dol'Guldur à l'ouest. C'est ce que j'espère aussi. C'est que les... Je veux que le Veil soit tranquille, en fait. Déjà, le Veil, s'il a plus affaire à Dol'Guldur, ni à Gundabad au nord, il va pouvoir se focus entièrement sur les gobelins. Et peut-être que... Comme je dis, on n'est pas si mal que ça en soi. Dale est balèze. Les nains sont balèzes. On a protégé pas mal d'IA. Là, en prenant Dol'Guldur et le nord, ça va protéger le Veil. On espère qu'ils vont jouer, quoi. On espère qu'ils vont jouer, et je les mets dans les bonnes conditions, en tout cas. Si je peux aller leur redonner une ville ou deux, j'essaierai aussi. Là, déjà, j'ai mon... on va essayer de sécuriser entièrement Mirkwood. Il y a encore une ville dans la forêt noire pour le... Pour... Mirkwood. Pour Mirkwood. Pour Dol'Guldur. Ne faut jamais faire confiance à l'IA. Ouais, mais à un moment, t'as besoin d'avoir des IA qui jouent. Tu peux pas tout faire toi-même. T'as pas les ressources ni l'argent pour affronter après le Mordor,
et tout. Donc il faut que les IA, que tes alliés IA soient dans des bonnes conditions pour au moins bloquer les IA ennemis. Allez, on exécute. Hein. Là, on vient d'emporter une sacrée victoire. Oh, le Veil. Voilà. C'est parti, on occupe. Et c'est une jolie ville en plus. Regardez l'argent. Il y a déjà des murs et tout d'installer. On va convertir tout ça. Qui fait le siège de Dol Guldur? C'est pas le Veil, c'est une petite armée de Dol Guldur avec le Veil qui regarde. Voilà. Regardez l'argent! Eh. Vous vous rappelez de ce que A vient de dire? Ne faites jamais confiance à l'IA. Regardez. Fury of the Step! Aïe aïe aïe, les Variags. Les Variags qui avaient trahi. La guilde des anciens. Combien elle coûte? 1700, je vais la prendre. Hop là. Parfait. Écoutez, on est pas mal. Là, on va recompléter. Hop. Et là, je vais pouvoir regarder faire un gigantesque tour de recomplètement qui va me coûter très cher. Mais on va aussi pouvoir faire des sentinelles de Kerry Tamros. C'est parti. Et après, on va retourner à l'attaque très prochainement et on va aller reprendre Franzburg. Et ici, on va pouvoir commencer à installer des bâtiments. Est-ce que je suis gourmand? Oui, je vais installer un maître du bâtiment. Ici, on va installer, hop, une galerie d'art. Non, pas Enetor. Enetor, on s'en fout. Ostiangil. Une garnison. Et on va... Il y a sûrement des armures à mettre. Voilà. Et on espère qu'on va faire dégager. On va aller voir si... Normalement, il n'y a pas de troupes de Dol Guldur. Ça nous met bien. Et il reste ça, Dol Guldur. Il a un sacré... Il y a des trolls. Mais d'où ils... T2 trolls. Des Goblin Strider. C'est une très belle unité de javelot anti-armure. Ça. J'aimerais bien aller faire le siège. Mais pas affronter ça en race campagne. Hein. À Framsburg, la poterne. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais le problème, regarde, il y a ça aussi derrière. On va y aller mollo quand même. Bon, j'espère qu'ici... Est-ce que... Attendez. Juste, par acquis de conscience. Non, il y a une grosse armée. Il va attaquer. On va attendre. Ok, il m'attaque pas ici. Ça. Oh, il envoie des stacks à la suite. Vous vous rendez compte, il arrive à produire ça avec une ville. Il les envoie à la suite, quoi. Et Dale, qui est pas foutu. Eh, Dale, je te déteste. Hein. Il est avec son chef de faction. Il pourrait faire un tout droit et prendre la ville. Il ne le fait pas. Est-ce que des bâtiments de culture elf donnent de l'augmentation? Il me semble que le T3 de culture elf. Attends. Le T3. Est-ce que le T3 culturel... Non, le T3 culturel amène une augmentation de l'échange commercial. Mais pas une augmentation de pop, pas une croissance de pop. Dommage d'ailleurs. Très très dommage. Ici on va les recompléter. Torfiline. Oh, j'ai même pas l'argent. Bon, ça sera pour le tour suivant. Ça sera pour le tour suivant. Oh mais attendez, j'ai un nouveau général ici. J'ai un nouveau général. Attendez, là on va aller comme ça, voilà. J'ai un nouveau général. Ça tombe bien. Parce que j'ai un plan, justement, pour aller remplacer mon champion là-haut, pour aller faire un raid au nord de Gundabad. On va continuer à attaquer Gundabad en mettant le paquet dessus. Un putain 1.5 de croissance avec les bâtiments de culture de la Laurienne en T3. C'est énorme. Surtout avec les elfes. Quoique là, j'ai quand même pas trop mal géré avec l'hygiène et tout. Toutes mes villes... Mes villes là sont à plus 4%, plus 3.5% avec les elfes. T'es quand même vachement content quand t'es à plus 3.5%. Ça, les villes elles booment au niveau éco. Les impôts sont minimum. On se régale. Allez hop, tour suivant. Le son, pépé, le son. Voilà. Ça se passe comment cette session? Pas mal. Pas mal, on fait pas mal de bonnes batailles. On a réussi à faire la jonction entre les deux royaumes. On croque du Dol Guldur. Oh non, 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 j'ai perdu en général.
J'ai perdu un général là. Tu gères comment les impôts au général? Une seule règle. Tout le temps, au minimum. Et tu les montes quand t'as désespérément besoin, sur du très court terme, d'argent. Non, si! T'en avais 4? J'en avais 4? Bon, sinon, attendez, j'ai été con. Ah non, alors j'ai perdu une unité. J'ai perdu l'unité d'infanterie, c'est ça? J'ai perdu l'unité d'infanterie! Bon, c'est pas grave. Attendez. Ouais, j'en avais 4. Ah ouais, j'en avais 4. Et en fait, j'ai perdu une des unités d'infanterie qui était à 3 et 9. Ouais, mais c'est pas grave, en soi, je m'en fous. Désolé. Est-ce que le roi... Ouais, le roi a pris Fangorn. Eh, ça commence à puer pour le... pour Ilysangar. C'est bon, ça, parce que ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien pour le Gondor. Si Ilysangar peut être mis... parce que rappelez-vous que le Gondor a perdu Minas Tirith. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans le sud. Oh non! Oh, je suis désolé, les mecs. Quand j'ai relancé le Veil, c'est barré. Je suis désolé. Wipe the blight from this land. Auto-win, trop tard. Fallait écrire plus vite. Vous voulez que je... Ouais, on peut la faire en auto-win en soi. Hein. Je vous cache pas que j'ai la flemme. Hein. Ouais, si, non, tant pis, hein. Tant pis. On est pas à 2 minutes. On est pas à 2 minutes. Ça va être rapide de toute façon. Y'a rien dans cette armée. Il va faire un trou dans le mur. Hop. En bataille, tu peux faire Force Battle Victory. Ah ouais? Mais non. Attends. Comme ça? Force Battle Victory? Parce que, les gars, il a aucune chance, hein. Et je l'avais gagné, d'accord? Mais je conseille pas, ok, d'accord. Ah non, mais si tu conseilles pas, tant pis. Je veux une valeur sûre, moi. Je perds pas bêtement à... ou je fous pas mon run en l'air avec un conseil de PGM du chat qui a voulu jouer avec la console. Non mais... Hop. Hop. Le bug des murs quand ils sont percés, c'est vrai. Sur où il tire? Attends, je regarde sur quoi il tire. Visiblement, il tire pas là avec ses balistes. En fait, je sais même pas ce qu'il glande. Vous pensez qu'il avance des balistes là? Ah ouais. Il tire là? Ah ouais, bah attendez. Hein. Vitesse x6, ça. De toute façon, l'ennemi, il était wipé, hein. C'est toute la rangée de murs qui tombe pépé. Non, mais écoute. Moi, je suis prêt à parier que ça recommence pas. Tu peux le faire, du coup. Ah, techniquement, avec le Veil, on avait gagné, hein. Ah, moi, je suis désolé, les mecs, mais cette bataille, elle va durer 50 ans, alors qu'il a déjà perdu, hein. Et on l'avait gagné, hein. Alors, remets-moi ton machin, attends. Force Battle Victory. On va apprendre, comme ça, au passage. J'ai jamais fait ce truc. Force Battle Victory. Battle Victory, comme ça.
Force Battle Victory. Hop. Ça marche pas. Que j'ai mal fait. Force Battle Victory. Je crois que ça marche pas. Ah ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave. On va la faire. C'est pas grave. J'ai envie de prendre une unité de milicien juste pour aller... pour aller défoncer sa... ses balistas. Oh là là, quel enfer. Si j'avais compté mes généraux... Force Battle Victory. Je pense pas. Ah, qui en sait strictement rien, qui écrit n'importe quoi dans le chat. Ouais, j'ai autre chose à foutre. Oh là là, mais ils sont cons. Oh là 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 là, mais regardez-le. La bataille, elle va être finie avant qu'il ait le temps. Sors. C'est quoi, je vais sortir une garnison pour aller le choper. Ah, il commence à tirer. Ok, il tire là. Regardez, rien à foutre. On va aller le chercher, voilà. Il aura plus d'armes de siège. Quand il a peut-être fait des tours, allez savoir. Heureusement qu'il tire pas dans les mecs là. Allez hop. Allez, découpe-moi tout ça. Hop. Allez hop, on mange tout. Ah, la pute baliste. Il y a le reste de l'armée qui arrive. C'était pour rire. Il y a les wargs. Les wargs, ils en ont gros. C'était pour rire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Après, il pouvait pas charger. On va peut-être même le découper. Hein. Voilà. Attendez, ici, on n'est pas en place. Quoi, t'en demandes, hein? Bah ouais, le problème des wargs, c'est qu'en code comme ça... Allez. C'est indécent, hein. C'est indécent, Allez, hop, casse-toi. Ok, ça arrive. Oh, par contre, là, la charge... En plus, les portes étaient ouvertes, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ouf. Oulala, oulala, les archers font mal. Mais oui, Dol Guldur a un espion. Non, mais vous rendez compte, l'espion, il est là depuis tellement longtemps. Et vous savez que j'ai tué le capitaine de cette armée, hein. J'ai tué le capitaine de l'armée. Non, 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 non. Joue pas au con. Repoue-toi. Voilà. T'as mangé les balistes. Oh, ils ont mangé les wargs ici. Pff. Oh, c'est honteux. C'est honteux, hein. Non, mais hey, l'espion avec son bureau et ses tampons. Hein. Y a de ça, hein. On va quand même aller un peu moins vite parce qu'il y a du. Il y a de la troupe de qualité qui arrive. Oula! Oh merde! Oh merde! Toutes les portes sont ouvertes! J'ai mis ce clic! J'ai mis ce clic! Tu peux virer son espion avec tes espions, ok. Ok, y'a quand même du monde, hein. Y'a quand même du monde, hein. On va arrêter de troller.
Allez. Il y a deux portes à Gdolgoudour, il y en a trois, je crois. Première porte, deuxième, troisième. Et un deuxième étage avec une rampe. Ok, ça fuit déjà. Et ouais, il n'y a plus de général dans les armées de Gdolgoudour. Plus aucun général, ce qui fait que bah, les armées, le moral, c'est la catastrophe, quoi. Allez, ça fuit. Et ici, on va venir bloquer la porte. Et on va venir les attaquer, comme ça. Voilà. Allez, hop. Chop, chop. Il y a les Shadow Guards qui sont là-bas. C'est eux que je vise. Parfait, ça part. Eux peuvent être gênants. Là, on va venir bloquer la retraite et attaquer les archers. Il y avait du monde quand même, hein. Bien sûr que c'est win. Tu pensais vraiment que j'allais perdre? C'est juste que là, il y a les Shadow Guard que je dois faire attention quand même. J'ai quand même tous mes généraux d'élite que je veux pas perdre bêtement sur des misplays parce que je joue trop vite. Allez, on sandwich. Allez, c'est de l'infanterie lourde. Hein. Allez, 50, 48, ce qu'on leur met. Ils sont incroyables, les Galadrim Swordsman. Hein. Quelle bande de giga Chad. Et je vais bientôt pouvoir en faire hein, de ça. Hein. Ça va me changer de m'éter un pourri, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, ça dégage. Allez hop, on découpe tout ça. Parfait. Oh non, me parlez pas de la trame scénaristique des anneaux de pouvoir. Ils ont ravagé le lore pour leur fanfiction dégueulasse là. Je veux même pas entendre parler. Hein. Bon, allez, cessez le feu. Ça sert à rien. Allez hop. J'ai eu le message de victoire. Est-ce que j'ai eu le message de victoire? Alors, j'oublie, je regarde le chat, je discute. Je crois que oui, hein. Tout a dégagé là. Pas encore, ouais, je vais pas quitter maintenant, hein. Là-bas. Les balistères, ils ont repris une baliste. Tire pas mon gaillard, toi. Galadriel n'est pas homo, t'en sais rien. T'en sais rien, François? Est-ce que tu viens juste de supposer son genre? Ah, t'en sais rien, hein. Peut-être, hein. Sauron, femme, et Sauron, c'est un métamorphe. C'est peut-être un homme, une femme, un animal. Peut-être que Sauron, il s'identifie à une chèvre. Ou à un olifant, s'il est monté comme une belle bête. Imagine. Hein. Mais Sauron, là, il se métamorphose en un olifant. Ça serait incroyable. Et il se fait vénérer chez le Harad en olifant. C'est ça. Oh là là, alors ça... Ça ferait un bon truc en Lego, hein. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une idée incroyable. Ça sera peut-être pour le final, ça.
Bon, là j'ai eu le message, hein. Là le message je l'ai eu, je crois. Voilà, victoire héroïque, c'est bon. Allez hop, c'est finito. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Et est-ce qu'on s'en fout pas? Tiens donc, Strakan! Le terme hélicobite a été bloqué par mon automate. On se demande pourquoi. Allez, ça dégage, hein. Hop. Ouh là là, on va avoir une autre bataille. Non mais, les stacks qui m'envoient dans le Guldur. Je l'ai défoncé, il continue. C'est reparti. Aucun repos. Et il n'y a pas de mur ici, hein. On va enchaîner, hein. Eh ben non, Bubok. Ça passe pas. Bon, c'est Aldir qui défend. Il y a quand même... Oh là 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 là, triple... Il y a du double Perse Armure, Mauler, Slayer, il y a de l'Uruk Mirkwood, mais ça va, vous allez voir. Il y a Aldir, il y a Aldir qui est là, Chad Aldir, ça va envoyer. Tu me conseilles d'acheter Medieval 2 Total War? Ouais, parce que c'est pratique, mais attends qu'il soit en solde. Je crois qu'il est un peu cher, Medieval 2. Là, hors solde, Medieval 2, il coûte 20 ou 30 euros, non? Hein, le chat? Ou Sabriru, il coûte combien? Je crois qu'il est... Je crois qu'il est un peu cher, hein. Autant attendre une des soldes, ou alors tu le trouveras en piraté facilement. Bon, il y a du monde là-bas. On va bétonner les entrées et sorties, comme ça. Les archers, on va faire une longue ligne. Voilà. Les T2, les sentinelles de Caritam, excellente unité. Donc ça, c'est des troupes de la Lothlorienne que j'ai. Les sentinelles de Kirin Amros. Excellente unité. Et j'ai même, s'il faut, un petit mur de bouclier à mettre en deuxième ligne, si ça lâche. Ici, pareil. Je vais essayer de garder mes sentinelles en réserve. Et c'est déjà pas mal. Hop. C'est parti. Fait des batailles auto. Non, moi, je suis pas de bataille auto. Il est à 5 euros sur Instant Gaming. Ça, c'est cool, hein. 5 euros, c'est bon. Ça les vaut largement. Medieval 2 a peut-être un peu vieilli. Il y a des très bons modes dessus. Mais, bah, t'as... Pour les fans du Seigneur des Anneaux, Divide and Conquer, c'est le meilleur jeu Seigneur des Anneaux, je pense. Toutes plateformes confondues, jeux de stratégie. C'est une pure merveille, Divide and Conquer. Avec tous les modes et sous-modes. Il y a des milliers d'heures de rejouabilité sur le mode. Enfin, moi, je m'en lasse pas. Après, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais... Même la vanille, quand tu connais pas, je pense que la vanille... Alors, je pense que les joueurs qui jouent à des Total War récents vont avoir du mal avec le moteur. Et même lui. Ils vont peut-être avoir un petit peu de mal, mais moi, je trouve que sur beaucoup d'aspects, ce sont des meilleurs jeux que les vieux Total War. Que les plus récents Total War. Bon, on va taper dans les Slayers, en priorité. C'est de la bonne troupe. On va essayer de faire du DPS dans l'anti-armure. Allez hop. Alors les Mirkwood Hunter. Bon allez hop, on va aller faire ça. On va faire un tout droit. Ici ça va bien me chercher. Bon bah je vais sacrifier mes garnisons pour tanker. Le mode sur Elder Scrolls, ouais, pour les fans sûrement de l'univers, ça doit être bien cool. Moi, les Elder Scrolls, je m'en fous, mais d'une force. Oh là là, alors là, oh mes sentinelles qui viennent de prendre un G à bout portant, heureusement elles ont tanké. Allez, chope-moi les. Oulala, oulala. Non, 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 viens pas attaquer mon T2, s'il te plaît. Bon, et là il y a encore du T2, c'est vrai qu'il y a beaucoup de T2 dans cette armée, j'ai été un peu gourmand. On va laisser les archers travailler dans les molleurs. Oh, Perse Armure T1, excellente unité. Stainless Steel, ouais, et puis il y avait aussi un autre mode que Scofron m'avait beaucoup parlé, il arrêtait pas de me faire chier avec. Un autre mode qui est excellent.
Aïe, par toi. Je veux pas affronter les Mauleurs, ils sont perce armure. Ils vont découper mon T2. Voilà, parfait. Là, on va mettre le paquet dedans. On va venir les encercler. Voilà. Allez. Chope-les. Ça, c'est 30 huiles. Le Giga Chad. Avec des archers Galadri, marché T3. De la Lothlorienne. Allez, voilà. Ça fait du DPS. On va aller au corps à corps. On vient les encercler. Oh, j'ai eu peur. À chaque fois, j'ai peur. Hein. Regardez, Aldir, il est là-bas, là. Regardez, Aldir, il est là. Avec sa cape rouge. Vous voyez, c'est lui, là. Aldir. Pas de casque, rien. Il s'en fout. Le casque, c'est pour les blaireaux. Allez, on se débarrasse du capitaine. Ici, on les mange. Les garnisons, elles se défendent bien contre les T2. Le but, c'est de prendre le moins possible de pertes, parce que je voudrais bien passer à l'attaque prochainement. Bon, bah, vous savez quoi, on va envoyer Aldir au corps à corps. Il va les récupérer, on va aller faire un peu de kill et faire de l'XP. Important, l'XP. Elle passe bien pour moi. Bah écoute, moi ça passait très mal, mais après j'ai vu les anneaux de pouvoir et ce qu'ils ont fait, et je me dis qu'en fait, ils ont Shadow of Mordor, c'est peut-être pas si nul que ce que je pensais, tu vois. J'ai mis de l'eau dans mon vin depuis que j'ai vu les anneaux de pouvoir par rapport aux autres créations, même le Hobbit. Le Hobbit aujourd'hui est un chef-d'œuvre, est vraiment un chef-d'œuvre par rapport aux anneaux de pouvoir. Un chef-d'œuvre, hein, je pèse mes mots. Hein. Allez, là, c'est en train de. On est en train de le faire lâcher. Allez, ça lâche, voilà. Allez, Aldir, mange-moi tout ça. Bon, ma garnison s'est fait fumer, mais c'est pas grave. Allez, t'es là pour ça. J'avais vu un mec sur Twitter, il disait que on était sur le point d'inventer une nouvelle forme d'énergie impossible à épuiser, juste avec Tolkien qui se retourne dans sa tombe depuis qu'il a vu les anneaux de pouvoir. J'adore l'idée. Ok, bon allez, on est en train de les croquer. Ici ils sont 65. Je vais prendre mon général. Je vais aller faire un tour par derrière. Parfait. J'ai préservé mes T2. Mes excellents T2. Ça c'est une de mes meilleures unités là. Hors général. Non mais les gars, faut pas avoir peur d'un mode parce qu'il est en anglais. Hein. Au contraire, apprenez à parler anglais. Hein. Et shop, vous prenez un dictionnaire si vous comprenez pas un mot et vous l'apprenez. Incroyable, on est en 2024. C'est important de savoir parler anglais. Bougez-vous le boule, hein. Allez, ça lâche là-bas. Il reste plus que lui, là, à aller chercher. Voilà. Allez, hop, ça dégage. Parfait. On fait du prisonnier. On dégage tout. Allez, découpe-moi ce qui reste, s'il vous plaît, voilà. Bon, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Allez, hop. Perte minimum. Non, mais vous vous rendez compte du spam de Dol Guldur? Il lui reste plus tant que ça de vie, là, Dol Guldur. Mais à chaque tour, je fais 3 batailles contre lui. Et pas avec juste une ou deux troupes, quoi. Il y a quand même des sacrés régiments avec du T2 et tout.
C'est les bruits morts qui viennent des cavernes de Mando, c'est tellement ça. Meurs voilà, bande d'enculés. Non, non, méfiance avec la bande-annonce de Ride of the Rohirrim. Écoute, le personnage principal est une girl boss qui est en plein milieu de l'affiche. Personnage qui n'a même pas de nom dans le lore tellement il est insignifiant. Et moi j'ai vu de quoi ça parle. Elle va aller chercher l'aide d'une tribu d'Amazon pour... non, mais au secours, hein. On m'a vendu une série sur Helm's Hammer End. Je me retrouve avec... Redoku, là. Non, c'est bon. Allez, hop, ça dégage. Moi, ça, je le regarderai pas. Je vais attendre des critiques. Je vais attendre des critiques. Ah, voilà, vas-y, tire-toi. Je vais attendre des critiques. Et on verra bien. Et je suis désolé, mais je trouve ça horriblement moche. On est en 2024. Allez voir ce qui se fait au Japon en termes d'animation. J'ai l'impression de voir une animation de la fin des années 90. Et... Je suis désolé, mais c'est un peu de la merde, quoi. Vous pouvez pas nier ça, hein. On va pas faire ça tout de suite. Ah, ici. Est-ce que j'aurais le droit à un moment d'avoir un tour chill? À un moment. J'aimerais bien avoir un tour chill. Bon, là, j'ai les renforts qui vont arriver. Hop. On est en train de réussir à faire enfin un peu de troupes. Des archers, des tireurs. Oh, attends, me dis pas qu'il y a aucune... Ah si, il y a quand même une petite troupe. Ok. Là-haut, le grand recomplètement est en train de se mettre en place. On a déjà réussi à recompléter pas mal de troupes. On a un général qui arrive. Ça sub, Tef Play, 31 mois. Merci Mika. Et t'es pas mal pour son époque, absolument. Sauf que ça a évolué. Quand tu vois aujourd'hui certaines animations, pardon, mais quand tu vois du Demon Slayer, qui sont, je pense, visuellement, peut-être les plus belles animations qu'on a en ce moment. Je suis désolé, mais les animations de Demon Slayer, les combats, elles sont démentes, quoi. Tellement c'est incroyable, visuellement. Où y a, c'est mes goûts, hein. Mais... Il y a des trucs super beaux, quoi. Là, Bah là, c'est un peu de la merde, quoi. Bon, ici, est-ce que je peux réussir à recompléter? Ouais, on recomplète. Je suis en train de recompléter, je suis en train de construire de la viande. À un moment... Ouais, non, là, c'est un peu gourmand. Je voudrais bien continuer. Je voudrais bien faire un T3, ici. Valiant Council. Ou alors débloquer, ouais. Valiant Council, c'est parti. Ok. Là, c'est encore un petit peu tôt pour contre-attaquer. Quoique je pourrais déjà amener le Perse Armure. Le Perse Armure, voilà. Là, je vais avoir un troisième général qui va grimper là-haut à Dane's Hall. Et après, on va faire un tout droit, un gros tout droit en direction de Framsburg. Bien bourrin. J'en suis où ici? Non mais... Je vais essayer un truc les gars. Vous me l'autorisez. Hop. Hop. Allez hop, ça dégage. Allez, casse-toi. Casse-toi! Ça suffit! Parfait. D'où il sort lui? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais regarde, vous vous rendez compte de la quantité de stack qu'il a? D'où il sort ça? Et Dale qui est pas foutu d'aller prendre Tustur. C'est insupportable, la passivité. Les gens qui codent cette IA, mais parfois je les déteste, quoi. Il y a des gens qui font esprit de vous dire « Oh, votre IA est tellement nul à chier. » Ok. On fait de l'argent. On est en train de... Là, je vais recompléter toutes ces troupes. Et peut-être qu'à un moment, je vais pouvoir me décider à faire un tout droit. Il faudrait que j'ai... Est-ce que j'ai pas un espion dans le coin, là? Toi. Voilà. Tu vas aller voir ce qu'il y a ici. Et on va faire du turnover avec les espions. Ok. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On est plutôt safe et ça travaille bien. Et gagne pour moi, au secours.
Ok, tour suivant. Le son. Je son, le son, j'ai encore oublié le son. Oh, l'araignée, qu'est-ce que tu fous là, putain. Hey. L'araignée qui vient d'arriver là. Écoute, t'es bien gentil, ma petite. Mais faut partir maintenant. Voilà. Incroyable, une araignée ici, j'en avais jamais vu dans mon appart. Tu n'as pas détruit les bâtiments en Ancient Guild, bien vu. J'ai oublié les bâtiments en Ancient Guild. Ok, des renforts qui arrivent de à Framsburg. Le leader de Kend est mort. Aïe, aïe, aïe. Les Variags. Karasen de nouveau assiégé. Bri sous siège. Kerandros sous attaque. Voilà un tour pas très bon pour nous. Hein. Toi, tu vas aller là-haut. Voilà. Là, on a de la sentinelle qui est en train de se finir. On a des bâtiments magnifiques. Je viens de débloquer. Alors, en effet, à Ost... Il va peut-être venir m'attaquer. Hein. Alors, attendez. La boucherie, non. Le Slave Quarters, non. Le Warg Breeder, non. Le Grog Hall, non. Ballista Maker, je dégage. Le Brawler Pit, je dégage. Ah ouais, magnifique. Merci à de m'avoir rappelé. Ok, c'est pas mal. On va faire un espion. Et... Oh, le Veil. Le Veil qui sort de la viande, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des balistes dans cette armée? Il y a des balistes. J'ai pas trop envie d'aller affronter des balistes. Quoique... Il y a pas de... Vous savez qu'il n'y a pas de général. Hein. Je lui tombe dessus, je lui pète la gueule. Et ça fait un stack en moins. Je vais prendre des risques. C'est parti. Le corps d'archer PP. T'es sûr qu'il se convertit pas avec mes trucs hein. Il lui faut... Voilà, c'est ça. Je crois pas, moi je crois que si. Hein. Bon. Il y a quand même... Il y a des balistes. On va... Oh, mais le terrain est merdique, regardez ça, au secours. J'ai le droit d'avoir un terrain favorable. C'est moi littéralement qui lui tombe dessus en embuscade. De toute façon là, je pense même que je vais potentiellement lui rentrer dedans. Hein. Hop là. Comme ça. Les javelots. Parfait. Voilà. Hop. Oh, il est en face. Oh, parfait. J'ai le tir. Superbe. Allez. Oh, les archers-elfes, hein. Les archers-elfes, hein. On n'en parlera jamais assez, hein. Allez, on va venir le chercher. On va aller le chercher par les naseaux. Est-ce qu'il faut laisser un général dans chaque ville? Si tu peux, ouais. Mais c'est un luxe. Et certains généraux sont, par exemple, moi, Legolas et Tranduil sont tellement bons au combat qu'il faut que tu les utilises au combat. Ils seront plus rentables contre des armées ennemies. Par contre, des généraux standards... C'est bien d'avoir des généraux sur le champ de bataille parce qu'ils sont forts. Surtout certains plus que d'autres, ça dépend des factions. Mais ouais, essaie d'avoir des généraux aussi. Sinon, pas grave. Ouais, sinon, pas grave. Mais c'est quand même mieux d'essayer d'en avoir. Oh, il se barre. Il se barre, mais c'est pas possible. Il va. Ok, il va utiliser. Il va aller prendre le sommet de la colline. On va le poursuivre. Oh!
Oh là là, je prends la sauce. Heureusement que j'étais en formation dispersée. Les balistes. Elle se prépare à tirer. Allez, on les découpe les balistères. On les découpe les balistères. J'essaie de les empêcher de tirer en leur amenant le maximum, en leur tirant dessus comme un dingue. Avec tous mes tireurs. Allez, 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 allez. C'est bon, même pas besoin. Hop, on revient là. Ouh là là, c'est qui ça? On me tire dessus ici. Orc Hunter, attends, 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 viens là toi. Bon, les balistes ont l'air quasiment foutus. 30, 10, allez. Finis-moi ça. Legolas, tire dans le tas. Dans les Camul Shadow Ranger là-bas. 30 000 pareil, les Camul Shadow Ranger. Allez, là, ils sont plus que 9. Allez. Ici, on les a interceptés. J'aimerais bien ne pas trop prendre trop de pertes, mais pour le moment, je me fais quand même bien casser la gueule. Ok, ça arrive. Allez, arrose-moi tout sur le flanc de la colline, là. Il a ses... Il y a du Mauleur. Putain, mais Legolas, qu'il a pris ! Legolas s'est fait découper par les Shadow Rangers ! Au secours ! Allez, on va aller chercher le corps à corps. Terrible, Legolas. Legolas prend la sauce. Les Shadow Rangers l'ont focus, il s'est fait laver. Eh, Legolas, il est pas trop tanky, hein. Allez, hop. Feu. Y'avait pas de général dans cette armée. Ok, je reprends le dessus au niveau des pertes. Allez, les javelots. Voilà. Ça fuit là-bas. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. Ça commence à lâcher. Allez, ça fuit! Magnifique! C'est quand même un gros stack. Ça serait bien que je m'en débarrasse. Oh la sauce! Legolas qui fait du kill quand même. Hein. Legolas a pris la sauce. Mais il a un bon coup de poignet aussi. Hein. Donc j'ai pas une petite cave là. Allez, lancez-moi vos foutus javelots. Oh la sauce qu'ils prennent. Allez, magnifique les javelots. Parfait, maintenant viens au cac. Et là on va s'infiltrer, on va passer par derrière. On va aller attaquer là-haut. Les gobelins. Ah ouais, mais il y avait aussi des gobelins d'Adhunter que j'avais pas vu. Eux sont dos. Terrifiant. Perce armure. Allez, ça lâche. J'avais pas vu qu'il y avait des Headhunters. C'est eux qui m'ont sûrement fait beaucoup de dégâts. Voilà. Ouais, les gouverneurs parfois ont vraiment des très très bons bonus de croissance pour certaines villes et tout. Donc ouais, certains seront... En fait...
S'il est pas dans, en gouverneur, il doit être rentable sur le terrain. Voilà. Ou alors pour défendre une ville comme Legolas. Legolas est un incroyable défenseur de ville. Et un tueur d'armée. Donc c'est du gâchis de mettre Legolas sur... de mettre Legolas sur le champ de... Sur le, dans, en tant que gouverneur. Pour des raisons logiques. Oh la sauce que je prends! Oh j'avais pas vu qu'il était au cac ici. Et des molleurs en plus. Oh là là, la micro au secours. Heureusement que c'est pas une balle. Ok, ça lâche. Allez! Eh ben, elle aura été compliquée cette bataille. Hein. Sur un terrain de merde. Ça se présente bien, je suis pas sûr. Hein. Le problème, c'est que bah, la 4.6, elle est très très mal balancée. Le Gondor fait déjà la gueule. Le Rohan va s'effondrer. J'ai très peur que moi ça va, mais les autres ça va pas du tout. Allez, il y a tout qui lâche là. C'est parti. Wow, Sulgos dans ma boîte à sub. Ma boîte à sub. Merci mec, tu régales. Wow, 25 au total offert sur ma sur la chaîne. Merci beaucoup. Hop là. Bon, non, j'espère normalement que la review de l'épisode 5 va passer la censure demain. J'espère. Et je sais déjà ce que je vais faire pour l'épisode 6 de Lego. Oh là là, je me fais éclater par les Camus Shadow Ranger, au secours. Les... 30 huiles, s'il te plaît. Viens aider. Ah ouais, non, mais j'ai pas été gâté par le terrain, là. Mais au moins, je me débarrasse de ça. Voilà. Je vais continuer, je vais poursuivre. Voilà. On va rien laisser partir. Il va pas pouvoir faire des stacks à l'infini. Il va pas pouvoir faire des stacks à l'infini. Et je les mange... voilà. Oh non, mais... C'est le jour et la nuit entre EUR, là, et la vanille. EUR, je me rappelle des trolls Avengers, moi. Hein? Voilà. Vous vous rappelez des trolls Avengers de Gundabad? Les trucs étaient là tour 30 ou 40? Moi, je m'en rappelle de ça. Oh, que je m'en rappelle. Oulala, mais attendez, où tu vas, toi? Des orques molleurs, en plus, ça! Allez, hop! Oh, ça fait plaisir, hein, du molleur. Du molleur, ça fait mal, hein. Voilà. Allez, hop. De l'argent pour Blue Origin, alors ça, absolument. Tu finances le programme spatial de Jeff Bezos. Gundamas, l'histoire, je disais à l'instant, je les déteste. Désolé, mais EUR, je ne veux plus y toucher. Je comprends que ça plaise à certains, mais cette overdose de super unité d'élite pour tout le monde, je trouve ça un peu aberrant. Vérifie pour le camp d'archer, je suis curieux. Ok, Caris. Je vais aller voir ça. Parce que si je peux le casser et récupérer l'argent, c'est tout. Allez hop, on se débarrasse de ce petit stack bien gênant qui m'aura quand même... Alors, Austendil, le camp d'archer. Alors figure-toi que le camp d'archer, ça me permet de faire mes troupes. C'est pour ça que je ne les casse pas. Voilà. Donc ouais, c'est pour ça que tu gardes les camps d'archer parce que bah, tu peux déjà... culturellement, tu pourras déjà faire tes unités quand tu auras fait le switch de culture. Bon, où j'en suis, moi? Là, on a dégagé ça. Là, je vais recompléter. Je vais recompléter. Ta. Ici, on va mettre du bâtiment. Je vais mettre le maçon. Vu que j'ai l'argent, on va investir. Et là-haut, je suis pas encore prêt. Tour d'après, j'aurai... Ouh, un nouvel archer. Là, on va avoir une belle armée. Là, on va avoir une belle armée. Je vais attaquer avec mon général. Perce armure.
Je vais renvoyer mon espion. Il est où mon espion? Framsburg. Il y avait Jacques. Ouh, il y a même plus de général. Et là, il y a quoi? C'est de la merde. Ok, tour suivant, on y va. Tour suivant, on y va. Et là, j'ai même les renforts qui sont prêts. Ah ouais, on va y aller. Hein. Ouh, allez, non, je vais pas trop dépenser d'argent. Il faut que voilà, j'ai de l'argent, mais il faut que je l'investisse judicieusement. Faut pas que je fasse n'importe quoi avec. Là, pareil. Ouh, Marksman Range. Ah, Karis qui fait péter son sub, t'es honnête hein. T'étais pas obligé, mec, hein. Merci. Oh, son premier sub gift. My bad, t'inquiète. Tu sais, si à chaque fois que quelqu'un raconte des conneries dans le chat, Karis, il devrait offrir un sub, je serais déjà millionnaire, hein. Surtout avec les A et compagnie, hein. Il y a pas que du foudre des guerres, hein. Bon, ça c'est le T3, je crois. Elvenkin Bogard. Oh là là, c'est des belles unités, ça. Legolas, ça. Les unités de Legolas. Bah, vous savez quoi, je vais investir tout de suite là-dedans pour partir sur les tiers supérieurs. Oh, et tant pis hein, pour les missions à Fuera. Et normalement, on n'est pas si mal. Et Gundabad est déjà pété. Ouais, mais c'est ça. Gundabad est déjà très... Ouf. Ok, ça va. Il y a quand même des Goblin Headhunter. Du Warg, mais ça va. En défense, ça va tenir. Et j'ai des renforts qui sont là. J'ai des renforts. Ici, on est en train de recompléter, de lever de la troupe. À un moment ici, ça va... On va se mettre bien. Et à un moment, je vais pouvoir attaquer. Et mon objectif, c'est ça, là. Hop. C'est Dor Noras. Vous ne pas donner d'avis foireux, absolument. Tour suivant. Le son. Hop là, voilà. Ok. Belle bagarre. Bientôt le Doomstack. Ça commence à se rapprocher du Doomstack, ouais. Le Mordor ne t'attaquera pas. Mais moi, ça me va si le Mordor, il commence à venir. Hein. Ça veut dire qu'il lâchera de la pression sur le Gondor. Le Gondor a l'air de tenir. Osgiliath n'est pas tombé. Osgiliath, pardon. Oh, direct bataille. Allez, viens de battre. Pélargir n'est pas tombé. On peut encore sauver le Gondor. Eh, ça passe pas en auto-battle, ça? Ben non, il faut pas que je... Je devrais pas le faire en auto-battle. Allez, hop. Allez, casse-toi, Fuera! Voilà! Général perdu, non. Le général n'a pas été perdu. Il a juste décalé sur la ligne. J'avais deux généraux. Les deux sont là. Le leader de Dorvignon est mort. Non. Oh là 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 là. Bladesmith à Ostiangil. Non, je vais continuer à investir de l'argent. Le rune s'étend. Aïe, 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 aïe. Alors, la mission ici. Mais où est mon... Ah oui, en effet, je pourrais aller voir les Dune Landings. Dune Landings, là-haut, voilà. Ok. Alors, ici, on va commencer peut-être à passer à l'attaque. Je vais prendre Aldir avec toute l'armée. On va faire ça. Je vais faire ça. Voilà, ça. Ah, je peux pas. Ici, je vais prendre... on va prendre un général. Off, même pas la peine. On espère qu'il va pas attaquer. Allez, on va même prendre ça, hein. 66. Voilà. Et on espère qu'on va l'attirer. Dans une bataille majeure ici. C'est une belle petite troupe. Je voudrais bien aller prendre Dor Noras. Et continuer à pousser très fort. Et là, on va aller faire un peu de renseignements. Voilà, on va surveiller ce qui se passe ici.
Il y avait des trolls ici, hein. Ils sont où les trolls? Ils sont plus là. Ok. Et ça là-haut? Ils sont là! Les trolls sont là-haut. Ok. Ça c'est inquiétant. Je vais déplacer des troupes à Elétor. Bon, on a au moins on a l'autre là qui nous défend. Et là-haut, on va passer à l'offensive. On va passer à l'offensive. On va faire ça. Comme ça. Tu peux sortir là. Oh non, je perds trop d'âme. Non, j'ai fait un misplay. Oh là 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 là. Mais quel âne batté. Quel enfer. On va faire ça. Ça. C'est pas grave. C'est qu'un tour. Et tour d'après, on va aller faire le siège de Framsburg. Et on va essayer d'attirer du beau monde. Et Gundabad, ils vont commencer à faire la gueule parce qu'il leur restera plus que 3 villes là-haut. Envoie un espion à Dol Guldur. Il y en a pas un. Est-ce que je peux pas en refaire un? Non. Ça va attendre. Dol Guldur, c'est en train de... regarde, Dol Guldur, on est déjà à 54% de culture. Il y a Celeborn qui est là. T'inquiète que ça fonce. T'inquiète que ça fonce. Ici, on a déjà la garnison qui a été installée. On va mettre des bains publics. Ou alors non. Je vais plutôt aller investir à Karas-Galaton. Karas-Galaton, je vais... Oh là là, il y a un port. Les ports, l'in-ear, les bains, ou alors Hall of Culture. Voilà, j'arrive enfin à faire des bâtiments ici. Et on arrive à faire d'income. On arrive à faire 5000 de thunes, avec quand même des grosses armées sur le terrain. Et on est à l'attaque dans le nord. C'est cool. Tour suivant. Ouais, on s'en fout de l'espion de Dol Guldur. On s'en tape. La ville, elle est déjà à plus de 50% de culture, c'est bon. La priorité sur la ligne de front, c'est de faire des garnisons. Oh, il revient m'attaquer! Mais lâche-moi! Alors toi, mon gars, je vais faire un tout droit. Direction sa forteresse, là. Voilà, voilà, passe par là-haut. Vas-y. Si seulement Dale venait faire prendre la ville de Tustur, ça me mettrait bien. Mais il veut pas y aller. Il refuse d'aller prendre la ville. Alors qu'il a, il a son stack, là, il ferait un tout droit. Mais l'IA est d'une... Oh là là, Karasent assiégé encore. Bon, là, fini la rigolade. Est-ce que... Parfait, on peut faire un tout droit, on va faire ça. Comme ça. Voilà. Là, j'y vais pour rester. Mon but, c'est attirer 5 tours. On va essayer de provoquer une bataille majeure ici. Je veux qu'il amène des renforts et je veux le saigner avec tout ce qu'il a. Toi, tu vas venir renforcer là-haut. Parfait. On a une belle petite troupe et après, on attaquera dans le nord... Si Gundabad... Donc, Gundabad, c'est comme Dol Guldur. Si on prend Gundabad, il y a un... Donc, juste Gundabad, il y a un stack qui pop. Et si on prend... Et si je le tombe sous les trois... Donc, potentiellement, si je le tombe sous les trois villes, il y a un autre stack qui pop. Ça va être deux stacks à manger. J'ai peur. C'est quand même... Alors là, je vais faire ça. Comme ça. Et je vais aller attaquer... Il y a quoi là-dedans? Attendez. Il est mort? Il est mort! Mais c'est pas possible d'être aussi con! 70% de chance! Oh là là, quel enfer! Et là, on joue avec le feu en espérant que... En espérant qu'il continue d'envoyer des troupes et qu'il me laisse... Il me fout la paix ici. J'ai des renforts qui... Attends, hop! Du T2 qui vont venir renforcer. On va même faire ça. Voilà, on envoie tout. On envoie tout. Ok, 7000 de thunes, ça construit, là ça construit, là-haut, j'ai enfin mes murs, j'ai enfin mis mon maçon, et je vais, 1714, on va commencer à mettre des bâtiments commerciaux, ouais, 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 on est pas mal là. Ok. Et il y a Dol Guldur, vous avez vu Dol Guldur? Je peux commencer à faire les unités, les belles unités, là.
Sauf que là, je peux pas les produire parce que je suis sous siège. Voilà. Ils font ultra mal, ouais, ça rigole pas. Hein. Il a deux stacks Gundabad, mais Dol Guldur a eu deux stacks. Dol Guldur a un stack quand tu prends Dol Guldur, un deuxième si tu le tombes sous les trois villes. Donc je me suis déjà débarrassé du stack numéro 1 en prenant Dol Guldur. Il y a une grosse bataille qui est pas encore sortie sur YouTube, malheureusement. Et après, quand je vais le tomber sous trois villes, ce qui va pas tarder à arriver. Oh non, mais regardez, il abuse. Il va falloir que je... Il me dégoûte, hein, l'IA, à pas y aller. Hein. Parce que là, il met la pression sur mes villes. Il met la pression sur mes villes, quoi. J'ai une garnison, il y a quoi là-dedans? Il y a des trolls! Oh, il y a des trolls, au secours. Au secours, s'il me tombe dessus avec des trolls, je vais faire un colossal prout. Hein. Je vais faire un colossal prout s'il me tombe dessus avec des trolls. Tour suivant. Zut, j'aurais dû faire la mission avec les Dune Landing. Tu chopes pas les meilleurs troupes de la Lothlorienne. Attendez. Je me fais pas avoir deux fois, les gars. 4 généraux. Hop. Allez, hop, c'est bon. Casse-toi. Voilà. Mais tu sturges, j'ai déjà prise deux fois la ville. Deux fois. Et à chaque fois, Dol Guldur me l'a reprise. J'y ai même laissé un généraux. Un général. Un généraux, pardon. Un général. Ouais, c'est difficile d'être partout à la fois. Ok, là, il fait un stack commun. Oh non, m'attaque pas. Est-ce qu'il peut m'attaquer, là? Il peut m'attaquer carrément. Aïe, aïe, aïe. Ok, il y a une seule unité. J'ai mes deux unités de garnison. Ça va le faire. Ça va le faire, j'espère. Cette ville, elle est extrêmement vulnérable, hein, j'en ai marre. Hein. Bon, là, il y a une unité. Merci les garnisons, hein. C'est là où vous êtes content d'avoir... Vous avez vu comment je suis donné vainqueur? Vous savez qu'il a des morceaux d'armée, hein. On lui a tellement pété la gueule que, mine de rien... Allez, victoire claire, casse-toi! Allez, hop! Ah, les Yavanna Chosen. T'aimerais bien les... On aime bien les avoir, les Yavanna Chosen, hein. Allez. On fait de l'argent à Dol Guldur. Dol Guldur, j'arrive même pas à faire mon T3 tellement je suis systématiquement sous siège. Mais je vais bientôt avoir les mes T3 de Mirkoud qui sont excellents. Ouais, regardez, Amirkoud, normalement... Ah non, je les ai pas, mes T3 Amirkoud. Est-ce que j'ai... C'est pas parce que j'ai pas le bâtiment adapté. Est-ce qu'il faut que je casse le Chieftain? Est-ce qu'il faudrait pas que je casse le... Ou alors c'est la culture? J'ai pas la culture. Ça va venir. Bah ouais, mais j'ai même pas fait le T1 de culture. Depuis le début, je suis sous pression. J'ai pas fait les bâtiments de culture. Là, on va amener des renforts. Et là, je vais attaquer. Voilà. Matez-moi ça. Là, le but, c'est juste de le forcer à amener des troupes. Et on va défendre. On va défendre. On a une bonne petite troupe. On a à le dire. Et il faut que ça tienne. Et là, on est à combien d'habitants? On est à 1110 habitants. Ça va bientôt évoluer. Il me manque juste 190 habitants. Et on serait bien. Au nord. Est-ce que... Attendez. Il a repris Maetelborg. Eh, Valet de l'Anduin. Le Veil a repris Maetelborg. Le Veil a repris Maetelborg. Quand je vous dis qu'il faut aider les IA. Ah. Et matez-moi ça, le Veil qui est à l'attaque. Boum boum. Pardon, ça sort d'où ça? En un tour. Ok.
ok, y a du T1, il y a du Perse Armure. C'est pas non plus des armées d'élite. Il y a beaucoup de clodos là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de clodos. Ça me fait pas trop, trop peur. Et on va provoquer une bataille. Provoquer une bataille majeure. Et on va continuer à recompléter les pertes. Je suis là pour faire du kill. Hein. Cette armée, elle est là pour tuer du monde, d'accord? Tu pourrais essayer de les attirer sur le pont. J'ai envie de prendre la ville en même temps. J'ai envie de faire d'une pierre 4 coups. Je veux anéantir un énorme stack. Et au passage, je veux prendre la ville. Le seul X au général. Non, t'inquiète. J'ai beaucoup de perse armure maintenant. Perse armure, j'ai mon général, j'ai Hortendir qui est là. Je me fais pas trop trop de soucis. Par contre, dans le sud... Où est passée son armée de tout à l'heure? Aïe, aïe, aïe. Les trolls sont là. Au moins, je vais réussir à faire quelques troupes. On aura une petite armée. Ah, oh, il fait chier. Non, mais attaque. Atusture, amène tes stacks, là. Sois utile, fais quelque chose. Ici, j'avais pas baissé les taxes. On va pouvoir faire des bâtiments. C'est parti. La culture change vite. 3000 habitants. Oh là là, ça va aller vite. Hein. Alors, un espion au sud de Dol Guldur. Absolument. On va faire ça. Hop là. Non ! Meurs pas. Voilà, va à Dol Guldur. Et parfait. Écoutez, c'est pas mal. J'ai de l'argent. On va continuer à l'investir, mon pognon. On va là. Je vais mettre une forteresse. Hein. Vous savez quoi ? Ça, c'est pas perdu d'avoir une forteresse. Pour la production d'unités militaires et tout. Ça servira tôt ou tard. Ah là là, ces influenceurs, je suis pas un influenceur, moi. Je suis un gamer. Et même pas un très bon gamer. Même pas un très bon gamer. Mais en fait, Twitch, quand tu vois des gens jouer à un bon jeu, parce que c'est un bon jeu, qu'importe le niveau, ça va te donner envie de jouer. Tout simplement. A contrario, quand tu vois des gens jouer à un mauvais jeu, ça va pas te donner envie de jouer. Mais moi, il y a plein de jeux que je vois, bah ça me donne envie de jouer, j'y joue, quoi. C'est le principe de regarder... l'unité pas complète, ouais, peut-être. Hein. Mais ouais, c'est vrai que... ouais, tu vois d'autres gens jouer à un jeu, le jeu est bien, bah ça donne envie de jouer, quoi. Bon, écoutez, je suis content que le Veil ait repris ma Ethelbourg. Il va pouvoir mettre la pression sur Goblin Town, maintenant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je me suis mis à Cards. Bah, c'est cool, Cards, mais bon, t'as vite fait le tour, quoi. Bah, c'est un jeu de cartes, quoi. C'est comme Hearthstone et tout, hein. Voilà. Mais c'est amusant. Eh, regardez le Veil devant Goblin Town! Eh, ça, si vous saviez comment ça fait plaisir de voir le gobelin, il n'y aurait rien de pire que de voir le gobelin arriver dans votre dos après avoir pris les halls de Beorn. Eh, Pep, regardez! Regardez qui attaque! Regardez qui vient payer ses hommages à Tranduil! À Tranduil, à Aldir! Oh, magnifique. Que du T1. Que du T1. Ah non, bon, là, il y a quand même double Headhunter. À moi la ville, les gars! Attendez, combien de villes il reste à Dol Guldur? 1, 2, ça c'est la troisième. Ok, il doit être à 4 ou 5 villes normalement. 4 ou 5 villes Dol Guldur. Il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Commencer le déploiement, c'est lui qui m'attaque. Je vais essayer de me débarrasser de la première armée directe. Au tir. Je peux tanker avec du mur de bouclier. Et j'ai double sentinelle de Kerin Amros. J'adore cette unité, c'est du très bon T2, c'est solide, c'est tanky. Ça a quand même un petit 22 d'armure pour du T2, beaucoup de DPS. C'est très bonne unité. Allez, c'est parti. On va aller faire comme ça. Normalement, j'ai la colline. Allez, hop. Un peu de son. On va... Tatata, Mirkoudin. Voilà, parfait, c'est de la merde. Ah oui, oui, c'est très très mauvais. On va leur rentrer dedans, hein. Même pas le mur de bouclier. On va leur rentrer dedans, direct, avec tout ce qu'on a. Let's go. Allez. Là, on vient flanquer. Les archers,
Utilisez-moi ça. Et ça. Et ça. L'autre armée est là-bas, vous la voyez là? Au fond? Ah ouais, mais en plus, en ce moment, on est un peu dans l'âge... Oh, ça fuit déjà! On est dans l'âge d'or du jeu indé, il y a tellement de bons jeux indés. Moi, j'ai de la chance, on m'envoie plein de jeux indés, mais c'est vrai que les Star Trucker et tout... Là, il y a des Allemands qui m'ont envoyé un simulateur pour conduire des gros camions avec des éoliennes, vous voyez. Puis j'étais allé, mec... Et je dis, mais je vais totalement tester ça semaine pro, quoi. Les bons vieux simulateurs allemands qu'on aime. Là, vous conduisez des gros tuyaux, vous conduisez des pales d'éoliennes. Voilà, quoi. Alors, tout le monde, je sais pas. Oh, la source que je prends. Et là, je vais essayer de décrocher mes T2. Voilà. Allez. Allez, découpe-moi ça. Il y a l'autre armée qui arrive là-bas. Ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Ça lâche. Je vais amener mes tireurs ici. On va aller prendre la colline. Allez, on le découpe. C'est parti. Le simulateur de camion poubelle. Mon dieu. Écoutez, pourquoi pas, hein. On va faire attention, il y a les gobelins Headhunter. Oh, ils me tirent dessus déjà. Aïe, aïe, aïe. Simulateur de bus. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, il y a de l'orc moleur aussi. Oh là là. Oh, il est mis un coup de bodyguard, il y a un général. Cette armée commence à être très chiante ici. Hein. Ma position de tir est en plus merde. Hein. J'ai pas été bon du tout là. J'ai vraiment pas été bon du tout là. À l'usure. Allez, chope-moi les Nirkut bodyguard là. Oh, ici je vais me faire attaquer. Quel enfer! C'est compliqué, hein. Tu vas suivre le lancement de Hera demain après-midi. Je le ferai pas en live, mais ouais. Oh, ce que je prends là. Ce que je prends avec les Headhunters. Ils me savonnent la gueule. Oh là là, c'est fort les Headhunters. Oh, ici. Allez, lâche! Mes sentinelles qui se font croquer. Oh, il y a du moleur là. Attendez, là, on va tirer sur les moleurs en priorité. Non, mais, hey, Aldir, s'il te plaît. Mets-toi en formation, dispersé. Bouge ton bout là. Merci. Et débarrassez-vous du général. Allez, un de moins. Le capitaine. Ça lâche, ça lâche. Allez.
On va venir ici, on va venir aider. Là, on est en train de croquer le général de Dol Guldur. Il prend la sauce. Voilà. Oh, Aldir, il est en train de déguster. Allez, mes petites sentinelles. Venez me flanquer les archers. Ils se battent beaucoup mieux que ce que j'avais prévu, hein. J'ai été encore une fois beaucoup trop optimiste. Allez, débarrasse. Le général, il est seul. Le général qui est seul, au secours. Regardez-le, on l'a pas réussi à l'avoir. Chopez-le. Comment ça tank autant? Attendez, je vais me mettre dans le dos, là. Je m'en fous, hein. Il a l'air de focus fire, Aldir. Non, mais tuez-le. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gars, il est seul. Non, mais... À un moment, c'est Boromir ou pas, le machin? Bon, ici, ça lâche. Là, c'est encerclé. Putain, j'aurais pris 38% de perte. Bon, au moins, je vais prendre une forteresse. Je vais prendre une forteresse. Ça, c'est cool. Voilà, parfait. Je vais prendre une forteresse qui va me permettre de... Vous savez que ça, c'est la province, c'est la porte d'entrée du Mordor, quasiment, hein. Voilà, hein. It's just a scratch. Ah, il y a un peu de ça, hein. Il y a un peu de ça, là, hein. Je vais prendre la forteresse, et je vais la tenir. Avec Aldir, toutes les troupes, là, et on va changer la culture en urgence, on va mettre des garnisons, et on va bétonner ça. Ça va permettre de sécuriser toute la forêt noire. Là, on commence un peu à... C'est pas ce soir qu'on va sécuriser la forêt noire, mais on commence à s'en rapprocher. Et après, on va faire un petit toggle faux pour le dernier tour, et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ailleurs, en terre du milieu. Déjà, on a une bonne nouvelle, le Veil a repris des provinces qu'il avait perdues. C'est une très bonne nouvelle. Comme dit, j'avais très peur de voir deux stacks gobelins m'arriver sur le flanc. Y'a rien de pire dans le jeu quand vous essayez d'aider les IA, elles font rien et puis au final elles se font submerger et d'un coup c'est vous qui vous retrouvez à 1 contre 4. Il reste que deux provinces dans la forêt noire à prendre. Bah techniquement plus qu'une, je considère que Tustur n'est pas dans la forêt noire. Mais ouais, il reste une province dans la forêt noire. Mais je crois qu'il en a encore un peu au sud. Il en a une autre au sud de celle que je viens de prendre et encore à l'est. Allez, on exécute. Allez, à moi la province. Ouais, il continue d'envoyer des stacks. Oh, regardez le Veil là. Le Veil qui vient me donner un coup de main. Eh, tout secours est le bienvenu. Allez, on prend la ville. Ça, ça fait plaisir. Il y a de l'argent en plus dans la ville. Ok, les gars. Il y a du beau monde, hein. Oh. Alors, on a une armée principale qui arrive avec balistes, anti-armure. On a une deuxième armée en renfort. Avec 4 T1, dont de l'anti-armure, avec armure d'or. Capitaine Lundrad. 4 T1, dont 2 archers. Elle est importante, cette bataille. Elle est très importante, cette bataille. Ah, coin de map complètement. Hein. Le général était 3, bah ouais, hein. Forcément que le général était 3. Je vais essayer de me trouver un coin de carte ou me cacher. Ouais, ouais, y a bon les tunas, complètement. Hein. Complètement. Ça me plaît bien ici. Ou alors l'autre côté. Ah, ici, c'est encore mieux. Allez hop. Ahem. On rigole pas, s'il vous plaît. C'est pas grave. On va se débarrasser d'une troupe.
On va se débarrasser directement d'une troupe, on va pas le laisser tirer. Regardez, il y avait de l'archer. C'était la troupe à 160. C'est ça en moins. Allez, viens là. Non, tirez pas, tirez pas, tirez pas, tirez pas. Tirez pas. Ah, allez, on les découpe. Parfait. J'ai dit rigolez pas, pourquoi tu rigoles? Anne, battez. Bon, allez. Les passes sanitaires, tout le monde. Alors, les archers. J'ai pas tant que ça d'archers. On va aller prendre la colline. Par contre, je vais avoir une formation très défensive. J'ai 3 unités en mur de bouclier. Oh là là, non, mais s'il vous plaît. Me faire croquer comme ça. Allez. Ok, ça tombe, ça tombe. C'est du gobelin T1. De l'orc T1. Ça t'arrange un peu, ça m'arrange complètement. Hein. Je crache pas dessus, crois-moi. Mais le problème, c'est que je voudrais que ça aille plus vite. Il y a une armée qui arrive là. Je suis pas en place. Et ils prennent un peu leur temps, là. Allez. On se dépêche. Dans le rouge, moral, ça va fuir. Je vais avoir quelques belles troupes de choc. Ça, c'est mes 2 unités de javeliniers qui vont venir comme ça. Allez, lâche. Lâche ça. Lâche ça. Le problème, c'est qu'en face, il y a des balistes. Il y a des balistes. On va serrer les fesses. Allez, le capitaine. Et ça va faire. Allez, casse-toi. Voilà. Parfait. On va prendre mes 3 unités. Eh, mes 3 unités, là, maintenant, elles ont bonus à armure, défense, XP. C'est pas de la merde. Parfait, on va aussi se débarrasser d'eux. Vous savez quoi? Je vais aller les chercher, eux. Je vais aller les chercher avec mon général. En attendant que les autres arrivent en bas. Voilà. Le perce armure. Les javelots en attente. Il est en train de me faire des pertes avec ses archers T1. Je déteste laisser les archers T1 tirer trop longtemps. Voilà ma petite position. Il y a beaucoup de monde en face, hein, et des balistes. Hein. C'est pas un cadeau. Hein. Allez. Allez. On sauce. Ils sont nombreux là dans le tas, hein. C'est 4 unités. J'espère que je vais réussir à m'en débarrasser avant que le reste de l'armée arrive. Je pense pas. Voilà, c'est que ça arrive vite. Ah, c'est du black shield en plus, au secours. Je vais peut-être devoir me replier. Ah, les Black Shield vont être gênants. Ah,
Parfait. Ici, ça lâche. C'est dans le jaune. Ça tombe. Allez. 16% de perte. Est-ce qu'on a découpé les archers? Je pense qu'on a découpé une partie des archers. Tant que ça tient ici, on est bien. Ah, les Black Shield là sont gênants. Par contre, il y a l'armée qui arrive. Et là, il y a du lourd qui arrive. Il y a de la baliste. Les balistes vont faire très mal. Il y a du warg. Et il y a de la... Ok, je me replie. Je me replie. C'est parti. On a fait le boulot. On a dégagé une partie de leur troupe ici. On va se replier sur la ligne principale. Allez, on se casse. Oh, les balistes qui vont commencer à tirer. Elles vont être gênantes comme la pluie. Non, les perses armures, au secours. Ça, c'est terrible. Hein. Oh, ça arrive vite. Allez, les Warg Marauders. J'espère que mon général est parvenu. Oulala, 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 oh. On se calme là quand même. Génial. Génial! Orthodire, il a pas réussi à décrocher. Je viens de perdre mon général d'élite. Que du bonheur. Que du bonheur. On est un peu salé là. On est très salé même. C'est pas grave. Il faut que je la gagne. En contrepartie. Non, non, mais n'y va pas. Putain. Fais chier. Il n'a pas décroché. Ça, c'est absurde. Au moins, il est pas mort dans une révolte de ville pourrie. Ouais, bon. C'est pas un cadeau, hein. Allez. C'est un excellent général. C'est pas cool du tout qu'il crève. Surtout comme ça, dans une bataille où il arrive pas à décrocher. Et ça, c'est l'IA qui fait des... Oh, les balistes! Allez, tire dans le tas. Il y a encore de la troupe qui va arriver derrière. C'est pas fini, hein. Ça fuit, ça? Non, ça fuit pas du tout. Allez, la ligne tient. Oh non, 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 pas dans mes archers. Allez, le Warg, il a pris une sacrée sauce, là. Allez. On tient la ligne. On va au cac. Foufou comme général, moi, je le trouve excellent. Il faut savoir l'utiliser, en fait. C'est un général incroyable. Oh là là! Non! Non! Quel enfer! Et l'autre là! Oh! Tape dans les wargs! Allez, viens sur le flanc des mecs en armure. Les balistes au secours. Il y a. Ok, montagne. Les Mountain Hunters. Ici. Hop. Hop. Allez. On garde la viande en réserve. On fait le tour. Je crame mes dernières flèches et on va tout envoyer au cac. Hein. On met les prolongés. Ouais, mais là, il a. C'était du T1, quoi. C'est du foutu T1.
Il a pas réussi à décrocher. Là, malheureusement, si l'IA me dit merde, l'IA me dit merde. Je peux pas micro-gérer chaque truc au mètre près. C'est pas grave. Il aura fait son office pendant la run. Là, on va envoyer l'autre général au cac sur le flanc. Voilà. C'est parti. Allez. On n'a plus de... Hop. C'est parti. On n'a plus aucune réserve. Toute la ligne est engagée. On est à 41-50. Et il a encore des grosses troupes qui arrivent. J'ai aucune réserve sur mon mur de bouclier. Il y a encore du Black Shield. Mais on est en train de les manger avec le Perse Armure. Oh là 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 là, les pâtés. Ça sent mauvais, t'inquiète pas, je vais la gagner, mec. T'inquiète pas. Non, t'inquiète pas, on va voir. Faut faire confiance à la troupe elf, au mur de bouclier. J'ai du T2. On est en train de le grignoter. Les balises peuvent plus tirer parce que je suis entièrement au cac. Il y a déjà des unités qui font la gueule dans le rouge. Oh là là, oh là là, non, 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 non. Ok, il fait un peu de friendly fire. 57-52. Oh là là, non, les tirs sont parfaits. Là, il y a les affreux perses armures, eux vont être très gênants. Et là, on est en train de peu à peu déboucher le flanc. Ici, ça tient. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça tient. 56 à 60. Allez, vas-y, vas-y, mélange-toi à lui. Fais un peu de friendly fire au passage. Oh là là, ok, là il fait un peu... Là, il fait du friendly fire, là. Hop. Non, ça c'est moi, là. Dommage. C'était pas loin. Oh là, y'a rien qui fuit. Ouais, mais j'ai pas eu de bol avec mon général, hein. Une partie de ma strat reposait sur mon habileté à faire du DPS avec mon général dans certaines unités. Il meurt dès le début. C'est terrible. Bon, là, on continue de faire du DPS, hein. Là, mine de rien, ils sont plus que... Combien? Allez, grignote-moi ça. Oh, j'ai des unités qui fuient à 2. Allez. Au niveau des pertes, c'est serré. Hein. 64 à 66, ça! Oh là 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 là, unité en fuite. Et là, malheureusement, eux vont me faire très très mal. C'est du perse armure. Ils sont faits pour me contrer. Ici, le flanc tient. C'est que du T1 en face, mais moi aussi. Mais là, il y a du... Oh, il y a du... Les Black Shields sont 68. Eux vont être compliqués à gérer. Il a aucune unité qui fuit encore. Quoi qu'il y a des unités dans le rouge. Allez, on force un peu. Essayez de faire du dégât. La ligne tient toujours. Mon général ici fait un sacré boulot. Oh, ici, je vais me faire découper par les orques des montagnes, là, ils prennent cher aussi. Allez. Là, mes perses armures font un gros boulot sur le flanc. Oh là là, mais il a son général, mais je sais pas où il est. Oh, son général est dans les Black Shield. Je crois que son général est dans les Black Shield. Allez, là. Oh, les balistes. Oh, la salve de balistes. Au secours. Oh, la salve de balistes. Ce que je viens de prendre. Il faut que je reste au corps à corps en permanence. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il tient. Il prend des pertes terribles et ses mecs restent dans le vert. Au niveau des pertes, 72 à 74. C'est... On l'a eu. Un de moins. Un de moins.
On en a eu deux. Le mien est mort. Mais lui, on en a eu deux aussi, hein. Après, on en a eu deux parce qu'il y a, 3-4 armées qui sont là. Il y a encore deux généraux ennemis hein, qui traînent. Non, mais là, les unités sont à 8. Je vais devoir les massacrer jusqu'au dernier. Et je suis même pas sûr que ça suffise. Ça tombe, hein. Mine de rien, 75 à 76, c'est serré, hein. Je sais pas comment cette bataille va terminer. Ouais, c'est les Black Shields, hein, malheureusement, le général ennemi. Oh, et là, il me mange à cause de ses perses armures. Quelle unité incroyable. J'adore cette unité, parce qu'elles sont très très fortes. Ok, il renvoie des renforts. Oh, je vais me faire manger à cause de cette unité, perse armure. Au pire endroit, au pire moment. Allez, si ça tient. On continue de faire du DPS ici. Oh, les balistes. Oh, les balistes dans mon général. Oh! Tant pis, y'a pas le choix. Y'a des unités qui sont presque à lâcher. Elles sont dans le rouge, certaines unités. Oh! Oh oui, allez, 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 allez! Non! Ça fuit. Ça fuit. Ça commence à lâcher. Oh, il y a des Black Shields là. Oh là là, mais les... Oh, loupé. Et malheureusement, ici, on est en train de se battre jusqu'à la mort. Et il reste 17 unités perse armure. Ici, ma ligne tient. Au niveau des pertes, 82 à 81. Il est repassé devant. C'est très compliqué, hein. Et il lui reste encore des bonnes troupes. Il lui reste encore du Black Shield, 35, 89 ici. Oh là là, et là il vient dans mon dos. Là par contre, je vais lever ça. Je vais aller les attaquer. Allez, débarrasse-moi de lui. Ils sont 6. Voilà, ça fuit au contact, parfait. On va venir protéger le flanc de l'unité. Mur de bouclier. Allez. Oh, l'unité fuit à 24, c'est une blague! Oh non, et mon général, allez. Oh là 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 là. Oh, je vais la perdre cette bataille, c'est une blague! Oh là là là, 86 à 83, c'est serré, hein! Y'a plus que du T1 en face? Ah non, non, y'a encore du T2, y'a encore du T2 là! 28 Black Shield. Eux sont gênants. Ah, l'unité qui fuit, ça c'est terrible. Ok, là ils sont 34 les Black Shield. Si je perds mon général, je suis dans la mouise. Hein. Ah ouais, là les Black Shield sont extrêmement gênants. Attends, je tape dessus là. Et lui, il est dans le vert, hein, tranquille. Hein. Il est dans le vert. Oh là là, 85. Hein. Et là, j'arrive pas à me débarrasser de ces Black Shield ici. C'est très bon le Black Shield. Là, mon général qui doit être dans le coin en sang. Et là, il y a un perse. T'es sérieux là? Il y a un perse armure. Allez, découpe-le! Chope-le! Chope-le! Voilà! Oh là là, oh là là, il y a encore du monde. Oh là 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 là, je vais perdre mon général. Je vais perdre mon général. Oh, et c'est perse armure ici. Ça sent le sapin. Hein. Son général, mais je peux pas aller le chercher. Je peux pas aller le chercher, malheureusement. C'est là où ne pas avoir de cavalerie, malheureusement, m'handicape dans mon gameplay. Bon, après, avec les elfes, la cavalerie, c'est compliqué. Oh, il fait du friendly fire. On prend. Non, par contre, là, les flèches qu'il met. Mais comment il tire avec les Black Shield. Bon, malheureusement, ça va être difficile. Hein. Mon général va lâcher. Je vais essayer de l'extraire. Allez! 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 Il est mort. Je l'ai vu mourir.
Et il amène les balistères à la... au caca. 94 à 89. Attendez, attendez. Hein. Oh là là, oh là là, je me fais submerger. Je me fais submerger. Ça fuit. C'est la fin. Ça fait chier. Perdre un général d'élite sans rien en retour. J'ai rien gagné là. J'ai rien gagné. C'est une énorme défaite. C'est une énorme défaite. Hein. Putain. Gundabad, c'est solide. Hein. C'est pas ça, c'est juste pour faire fuir. Juste pour faire fuir, casser le moral, aller chercher les balistes. Aller chercher les balistes et faire fuir des unités d'ombre rouge. Manque un peu d'archers. Ah, je fais ce que je peux, je les chie pas par tous les trous, mes archers. Déjà, c'était une belle armée que j'avais là. La troisième revanche, non, c'est qu'une... C'est pas une catastrophe en soi. C'est pas genre... J'étais à l'attaque, j'étais pas à la défense. Et je me suis fait péter la gueule. Je me suis fait péter la gueule. Je vais devoir sortir beaucoup de troupes en urgence. Et la quantité de viande qui sort alors qu'il a que 3 villes. Bon, j'espère qu'il va pas m'attaquer au tour suivant par contre. Il a une belle prod Gundabad. Surtout ce que je viens de lui, après ce que je viens de lui mettre là quoi. Je viens quand même de lui péter un peu la gueule. Et le mec a une quantité de troupes. Bon, après, certaines de ses armées font la gueule. Hein. Mais les miennes aussi. Hein. Je vais réussir à lever en panique quelques troupes. Je vais amener des renforts. Je vais lever tout ce qui peut être levé. Voilà. Et on va essayer de tempo pour tenir une possible attaque. J'espère qu'il va pas attaquer tout de suite. Hein. Mais non, mais littéralement, son armée, elle est intacte. Ça, c'est l'armée que je viens de péter. Elle est intacte. Au secours, quoi. À Torfilin, ça prend... Mais je peux même pas le recompléter. À Torfilin, mon T2, regarde. Je peux même pas le recompléter, le machin. Au mieux, je peux essayer d'aller à Dane's Hall, mais... Je sais pas si c'est tenable, malheureusement. La ville, là. Je me dis que je devrais peut-être évacuer. Il peut arriver en un tour, large. Ouais, trop tard, j'ai amené des renforts. J'aurai une garnison. C'est pas une catastrophe si je perds la ville. Bon, pendant ce temps, dans le sud. Les bonnes nouvelles, c'est comment là. Là, on a fait le ménage. Je vais installer des garnisons en urgence. Là, le Veil fait le boulot. À Dol Guldur. La culture est en train d'arriver. Et ici, oh là là. Ça commence à moins rigoler. Hein. Enlève le recrutement de l'unité et recomplète là. Qu'est-ce que tu parles? Ah oui, en effet. Tiens, merci. Bien vu. Tu dis pas que des conneries, hein. Les bâtiments PP, putain! PP si, PP ça. PP nique ta mère. Alors. Shadow Calling, ça c'est pour l'infanterie. Attends, Shadow Calling. Kinkelgard. Ça, ce qu'ils appellent le Shadow Calling là, ça serait pas une guilde? Waystation. Waystation, je peux m'en débarrasser. Ça, je garde, j'ai un port, c'est intéressant. Ballista Maker, je te dégage. Warp Breeder, je garde. C'est le bâtiment de l'infanterie. Ok, bon bah on va le garder. On va totalement le garder parce que quand la culture va être là, ça va me permettre de tout faire au niveau militaire. Ça va me permettre de tout faire. En soi, on fait beaucoup d'argent. On fait beaucoup d'argent. On est pas mal. Du tout. On vient juste de prendre une grosse fessée. On vient juste de prendre une grosse fessée. Le Dale ne fait strictement rien.
Genre rien du tout. On va continuer à investir dans l'économie, les marchés. Et là, j'ai débloqué les T3. Écoutez, on va faire du In Edor. On va faire de l'Elvenkin Bogard. On va partir sur du lourd. Et ça, ça va être mes armées qui vont partir dans le nord, du Perse Armure, des Archétéens. Et tout ça, ça va partir direction le front. On va aussi préparer peut-être plus tard des archers. Hop. Ok. Et là, on jouera la prochaine fois. Je vais faire un petit toggle faux pour aller voir comment ça se passe ailleurs. Alors, le Rouen. Écoutez, le Gondor tient la ligne. Sur le pont, là, le Gondor tient la ligne. Le Gondor tient Kerandros. Le Gondor tient, malgré une position extrêmement précaire. Les Variags sont toujours en vie. Ok. Le Variag est toujours en vie. Écoutez, ça tient. Le Gondor tient contre toute attente. C'est pas mal. Et de mon côté, ouais, c'est bien ce que je pensais. Oh là là, oh là là, non mais le Rune a steamroll d'Orvignon cette session. Le Rune est en train de tuer d'Orvignon. Et Dale ne fait rien. Dale est une éternelle déception. Il attaque même pas le... Je ne comprends pas le... Pourquoi l'IA ne fait rien. Regardez, elle a 4 stacks l'IA. 4 stacks! C'est terrible. Terrible, hein. Le comportement de l'IA, c'est le jour et la nuit. Hein. Entre l'IA de Dol Guldur et l'IA de Dale, qui ne fait rien. Bon, au moins le nain est là, toujours vivant. Bon. Lui, il va être chiant à tuer. Hein. Oh là là, regardez ça, ce qu'il m'a mis. Dommage. Hein. Ça s'est pas joué à grand chose, cette bataille, en plus. Hein. La bonne nouvelle, c'est que le Veil est plutôt balèze. Mine de rien, le Veil, là, il est bien. Le nain est toujours là, aussi. Wow. Et Anon and Orod, qui est une grande ville elfe. Imladri, Zakala. L'elfe est toujours bien vivant. Et peut-être que l'elfe, il a son petit royaume ici, il survit. C'est pas mal. On espère que le Veil va continuer à jouer, à mettre la pression pour aider l'elfe. Oh là 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 là, il est balèze, Angmar. Angmar est balèze, mais la contre-attaque commence. Oh, Bri va lâcher, à un moment ou à un autre. Bri va lâcher, les Rangers sont au fond du trou aussi. Les Dune Landings sont très forts. Et bah c'est... On est encore là. Écoutez, on est encore là, on s'est fait péter la gueule, ça arrive. On a pris une grosse fessée, j'avais la confiance. On va s'en remettre et on va attaquer. On va attaquer. Shit happens. Hop. Si à chaque fois que je perds une bataille, je devais arrêter un run, on n'en sortirait pas. Hein. Ah, les nains qui trahissent, ça pique. Hein. Ça pique fort. Hein. Bon, écoutez, je m'arrête là. Demain, je mettrai le planning à jour. Je sais pas trop ce que je ferai demain soir. Quoi qu'il arrive, on aura un Warbird ou un Wartank mardi.